Salut la gang, bienvenue à jouer le jeu avec Steve. Aujourd'hui, dans cette vidéo, Cyclops, un blitz tactique. Alors, vous allez voir Cyclops dans tous les aspects que je vous ai proposés, les deck builds que je vous ai invités à aller regarder, puis comment un peu naviguer avec les idées de deck. Mais là, vous allez les voir mis en pratique sur différents scénarios avec quand même des beaux obstacles, des beaux scénarios qui m'ont donné un beau combat. Ça va faire des beaux combats stratégiques. Mon coup de cœur pour cette vidéo, ça va vraiment être celui de l'agressivité. Et ça, ça m'a vraiment surpris, mais ça a été vraiment mon build préféré. J'aimais les autres étaient corrects, là, mais celui aggro, c'est celui que j'ai le plus. J'ai trippé. Fait que on va commencer avec ça tout de suite. On va commencer avec force. Fait que, si vous aimez ce genre de contenu-là, hey, le petit pouce bleu, les commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait plaisir aussi de toujours voir et de lire vos commentaires, les beaux messages d'encouragement que vous m'envoyez. Ça me fait toujours un gros coup de cœur. Je suis choyé. Alors, sans plus tarder, on commence 6 parties avec Cyclops. Rayon petit. Alors, salut les champions, voici notre deck pour Cyclops en agressivité, mettant vraiment l'emphase sur les cartes tactiques, cibles à abattre et pas de quartier. Alors, le deck, c'est un deck à 50 cartes. Alors, je sais qu'il y en a gros qui sont pas fans des decks à 50 cartes, mais quand on va avec une stratégie où on sait que ça va fonctionner, on n'a peur de rien. Alors, le deck comporte deux alliés, Angela et Psylocke. On a une instance de triomphe. On a trois chercher les ennuis pour être capable de les mettre avec nos cibles. On a trois plans d'attaque pour être capable d'aller trouver nos pas de quartier ou nos dans la mêlée. On a deux fois l'entraînement à l'assaut pour être capable de recycler nos événements pas de quartier. On a trois, évidemment, cibles à abattre, un contre-attaque, une technique guerrière pour augmenter encore la valeur de nos attaques, trois jusqu'au boutisme pour encore une fois maximiser notre potentiel de pas de quartier. Prouesse martiale, évidemment, pour payer nos cartes. Deux techniques éprouvées. Pourquoi pas juste un? Je sais, c'est juste pour être capable de le trouver plus rapidement dans un deck à 50 cartes. Deux énergies agressives, encore une fois, pour pomper nos événements d'attaque. Deux pouvoirs de l'agressivité et les trois ressources doubles sont les seules cartes grises qu'on veut mettre dans le deck. Alors, on va faire face à Kla avec je pense qu'il y a les Hydra d'assaut. Je ne voulais pas mettre ça trop compliqué. Je ne voulais pas rendre le scénario plus difficile que ça a besoin de l'être. C'est vraiment juste pour vous démontrer comment le deck peut se comporter. Alright, on est prête pour un peu de violence agressive avec les cartes cibles à abattre. Ça, c'est vraiment la stratégie qu'on va exploiter ici. On va premièrement se trouver un sbire. Ah, ben c'était la première carte. C'est un soldat flamme. On va prendre notre deck de 50 cartes. C'est dégueulasse, un deck à 50. Regarde comment c'est épais, un deck à 50 cartes. Bah! Mais c'est juste des cartes rouges. Fait que là, c'est du gros bonus pour nous autres. Des cartes rouges, on aime ça. Deux. Oh my god. Technique éprouvée, tour 1. OK, puis c'est sûr qu'on le joue. OK. OK, fait que ça, c'est vraiment fort. Ça ne sert à rien. On a juste besoin d'un. Il faut qu'on le piche 3 cartes. Ressources doubles? Pas de ressources doubles. Bon. On va. On va commencer. Qu'est-ce qu'on fait, mon Steve? On va aller chercher une cible à abattre. Est-ce que je suis capable de tous jouer? OK, ça me prend deux ressources mentales ici. Ça me prend une ressource physique. Est-ce que je prends mon temps? Je mets une cible prioritaire. Je pigerai deux cartes. Puis j'essaierai de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Si je suis capable d'aller plus creux, je suis capable de creuser plus loin. Mais je pense que ça, je vais faire. Je vais jouer à Angela. Je vais regarder le top 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Waouh! Est-ce que ça n'a pas bien brassé ça? Regarde, on va se prendre un petit trafiquant d'armes parce qu'il y a moins de points de vie que les autres. On va brasser le deck encore. On va y mettre une cible prioritaire, puis on va le taper à deux. On va figer deux cartes. Un, deux. OK. Je suis un peu triste parce qu'il n'y a pas de quartier, j'en ai besoin. OK, fait que je vais faire 1, 2, 3. Je vais mettre tout de suite ma technique éprouvée. Ça, c'est la grosse carte à mettre. Les événements d'attaque, c'est un peu triste, mais je suis capable, j'ai des façons de les recycler. Je vais... Ça, c'est... Elle est utilisée. Je vais payer... Non. Ouais. Ressources pour faire des trucs. Eh oui, attends, c'est pas grave. Fait qu'on a, on a déjà notre setup, premier tour, on a notre combo. C'est pas grave si on perd le scénario tour 1. 2. 2, 4, 6. Exploiter faiblesse. OK, parfait. Puis on va pouvoir garder le top 7 pour un événement d'attaque. OK, on va avoir du fun. Ça va être c'est un tour décisif. Il va manigancer de 2 plus 2. Ça veut dire 6. Attends. Pourquoi ah oui, c'est ça. Ça monte à 2, 4, 6. Ça va flipper. On va se trouver un défaussé jusqu'à temps qu'on trouve un sbire. Oh, c'est bon ça, des cartes de boîte. Il n'y a pas renfort parce que c'est défaussé, mais ces deux-là vont manigancer. Carte rencontre. Il va renfort parce qu'on ne le guérit pas dans un autre sbire. OK, fait qu'on on a de la viande. Fait qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller chercher un cible prioritaire. On va ensuite tapocher à 2 dans la cible prioritaire ici. Piocher 1, piocher 2. Nice. OK. Fait qu'elle est utilisée. On va jouer un plan d'attaque. 2, 4, 5, 6, 7. Parfait. On a un dans la mêlée. Puis là, on va pouvoir faire du vide. On va pouvoir être violent. OK. Là, vous allez voir c'est quoi le deck. Fait que ça, c'est vraiment la grosse violence qu'on va faire. Là. On va payer 2 pour un jusqu'au boutisme. On va payer 2 pour un jusqu'au boutisme. On va marquer notre soldat ici. Et là, ça va être violent, la gang. Ça va être ultra violent. On va flipper en mode héros. On va contrer ici. Et là, on va faire dans la mêlée. Pour 6, plus 3, ça fait 9. Moins 3, ça fait 6. 7, 8 de dégâts en déferlement à clas. Fait qu'il va se prendre 8, il va descendre à 20. On ne peut pas retirer de la menace, mais ça part. Lui décarrosse. Puis moi, j'ai contré le réseau de défense. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, on a un pas de quartier. Excellent. On va aller rechercher une autre carte avec notre brillant tacticien. Puis on va pouvoir revenir dans le combat en plus. Oh, c'est trop bon. Trop bon, trop bon, trop bon. OK, fait que ça va monter à 4. Il va attaquer dans Angela. Parfait. Il se faisait épuiser. Je me prends 1, j'ai aucune carte de soutien. Je descends à 9. 4 rencontres. Mais ah, oh, c'est excellent. Je l'avais pas ma visière. On va aller la chercher. Elle va sortir de mon deck. Mais là, je peux. Oh non, je peux pas attaquer. Non! Ah, c'est pas bon ça, je peux pas attaquer. Non! Non! OK, ben là, OK, faut que je fasse de quoi. Fait que je vais commencer à contrer ça. Ça,
Ça, c'est triste, par exemple. Je viens de réaliser que ça m'aide vraiment pas, ça. Bon, le pas de quartier, puis ça m'aide. Ah oh, oui, attends. Je vais chercher les ennuis. C'est un autre vire. Ok, j'enlève 3 de la principale. Je vais payer 2 pour faire un brillant tacticien. Je vais contrer le Claw immortel. Puis Claw va descendre à 10. Bon, je vais aller en alter ego. Je vais aller me chercher il m'en reste-tu? Ok, il m'en reste, mais ça ne me donne rien. Fait que je vais juste la sortir de mon deck. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Parfait. J'ai un plan d'attaque, puis je vais pouvoir recycler mes cartes, puis je vais pouvoir avoir mon rayon optique. Ça va monter à 2, plus 2, plus 2, ça monte à 6. L'avancement, s'il te plaît. Un autre. Bon, il y en a 3. Les soldats flammes. Il faut que je m'épuise. Je vais reprendre ma visière. Ok. Je vais aller chercher. Je vais en garder une dans mes mains. Je vais en mettre une ici. Comme ça. Je vais utiliser la technique guerrière pour un entraînement à l'assaut. Je vais rebrasser un pas de quartier dans mon deck. Attends. 2, 3. Ouais, il m'en reste quand même pas mal. Les chances sont quand même de mon côté d'avoir ce que je cherche. Ok. Je vais jouer un plan d'attaque. 1. Ok, parfait. Je l'ai pogné. 1, 2, 3. Ok. C'est pas grave, j'ai pas besoin d'en regarder ça. Et je vais flipper en mode héros. Ok, je vais faire 2 pour jouer mon rubis. Je vais faire 3 ici. Je pourrais pas jouer mon brillant tacticien, fait que ça me gosse un peu, mais je vais faire 1. Et une ressource mentale pour faire un pas de quartier qui va faire 6 de dégâts. Fait que 5, 6, 7 en déferlement. 7 en excès. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends toutes les cartes rouges. Fait que j'en mets 2 ici. Lui, il est complètement pété. Ça s'en vient chez nous. Je vais. Je pense que qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder un plan d'attaque. Je vais garder Psylocke. Puis je vais faire mental, physique, chercher les ennuis. Je vais faire dans la mêlée. Je vais faire 9 de dégâts. Et c'est encore du dommage perdu parce que je n'ai pas ma carte tactique. Mais je vais faire 9 moins 4. Je vais faire 5, 6, 7. Fait que je vais enlever toute la menace. Bouf! Ok. Je vais garder Psylocke puis un plan d'attaque pour le prochain tour. 2, 4, 5. 5 cartes, Steve. C'est ça que tu as le droit. Ok. Une manigance. S'il veut m'attaquer, je vais me défendre. Il m'attaque de 4. Moins 2, je me prends 2. Je tombe à 7, il m'attaque de 1, il faut que je dépose une carte de soutien. Je m'en vais à 6. 4 rencontres. Les armes illégales. Manufacturier d'armes illégales. Ok. Je vais garder les top 4 pour une attaque. 1, 2, 3,
4. Oh, j'ai un rayon ricochet. C'est pas ce que j'ai de besoin, mais je vais le prendre pareil. Parce qu'il me reste quasiment juste des cartes de mon héros. Fait que c'est un petit peu trop tard pour ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais payer. Ouais, j'ai pas le choix. 1, 2, 3, 4. Je vais jouer Psylocke. Psylocke, elle va faire 1 et 1. Puis on va désorienter Kla. Fait que Kla va se prendre 2. Puis il va être désorienté. Puis là, je vais aller me pitcher en alter ego. Parce que là, je vais avoir besoin de rebrasser mes cartes. OK. Fait que 1, 2, 3, 4. Je me donne. Oh, 3, 4 rencontres ce tour-ci. Ouais, c'est un petit peu dangereux ça, 3, 4 rencontres. Mais au moins, on a flippé notre deck. 2, 4, 6. OK. On va aller pouvoir aller chercher nos brillants tacticiens. On va pouvoir ramener nos trucs. OK, on est en grosse business sale. Ça va monter à 2. Il est désorienté. Ça va monter à 3 parce que lui, manigance de 1. Puis là, 3, 4 rencontres. Un blindé. Ça, c'est pas grave. On les aime bien, les blindés. 4 cartes rencontres, 5 cartes rencontres, son convertisseur sonique. On défausse une carte aléatoire de notre main. Puis il se guérit de 4, il monte à 12. Puis là, il faut que je défausse une carte. Phoenix, Phoenix, défausse Phoenix. Ah ouais, défausse Phoenix. Montre-moi que tu es capable de défausser Phoenix. Non. Parfait. On ne voulait pas défausser Phoenix, justement. Fait que ça, c'est bon. OK, on va aller chercher une carte. Une cible prioritaire, parce que sinon, ça nous gêne un peu si on n'a pas notre cible prioritaire. Puis je pense qu'elle serait supposée être à 2. OK, moi j'ai 6 points de vie. Là, il y a son convertisseur sonique qui est vraiment pas cool. OK. Ça se peut que je. Oui. On va utiliser notre rubis. On va faire 3 dégâts. On va péter le blindé. On va piocher 1, 2. OK. Ça nous prendrait une carte d'attaque. OK, je pense que qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de carte d'attaque. Ça, c'est triste. Okay, je pense que qu'est-ce que je vais faire? Je vais tristement défausser 1, 2, 3 pour enlever ça. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais jouer Phoenix qui va me ramener un brillant tacticien. Je vais enlever le trafiquant d'armes. Je vais attaquer avec Psylocke. Je vais faire 2 à Kla. Puis je vais le désorienter. Parfait. OK. 1. Ah, parfait. 2, 4. OK. Ah, OK. Là, c'est bon. Là, ça va être de la violence. OK, je vais pouvoir faire une cible prioritaire. Je vais pouvoir faire ramener mon truc. OK. Je vais pouvoir faire dans la mêlée, le péter. Ah non, j'ai pas mon. Ça me prend mon amélioration aussi. Ça va monter à 4. Il va attaquer chez moi de 1. De 4. J'ai oublié de bloquer. De 5, je tombe à 1. Est-ce que je suis mort? Il veut m'attaquer, puis s'il me fait du dégât, j'ai pas le choix, il faut que je bloque avec Phoenix. Les deux blindés. OK, parfait. Phoenix a passé au cash. OK. Bon, est-ce que je veux jouer mon pas de quartier pour être capable de faire des trucs violents? Oui. Mais avant, j'ai deux pas de quartier. Ouais. Bon, je pense que je vais juste le faire comme ça. OK. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais faire. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3. Je vais faire un. Dans la mêlée. Je vais faire 9 de dégâts.
Fait que 4. Je vais faire 5, 6, 7 en excès. Tristement, j'enlève toute la manigance. Je le pète, je m'en vais me cacher, je me heal à 4. Je vais laisser ça de même. 2. Ah, parfait. 2, 4, 6. Une menace désorientée. Pris par surprise. Je vais. Il me reste combien? Il me reste 5, 2 cartes. Qu'est-ce qu'on dépose? J'ai plus Phoenix. On va défausser notre prouesse. Jusqu'au boutisme. C'est un peu triste, là, mais je vais garder ma carte de ressources. OK. Donc là, il y a 10 points de vie. Qu'est-ce que je fais? Je me régène. Je monte à 7. Je vais aller chercher exploiter faiblesse. Qu'est-ce que je joue? Je vais payer 2. Je vais jouer une compétence guerrière. Il reste 2 cartes. Si j'ai vu les 2 avancements passer, je vais juste le laisser voir. Un avancement. 2. OK. Les 2 avancements sont passés. Je vais rester en alter ego. Je vais pitcher mon brillant tacticien. Puis je vais garder 3 cartes. 1, 2, 3. Là, moi, j'ai un plan d'attaque. Ça va monter à 2, à 4, à 4. 4 rencontres. Ha! C'est-tu que ça n'avait pas le choix? Ça n'avait pas le choix d'être l'ombre du passé. C'était le classique de Steve Kimmel. Carte de merde. Je suis curieux de l'avoir. Toutes les games, pas possible d'éviter cette carte de graine. Toutes les games, pas possible, que je peux pas m'en empêcher, hostie vierge. OK, on va aller chercher un site prioritaire qu'on va mettre sur Monsieur Sinistre. On va aussi marquer Monsieur Sinistre. On va utiliser deux pour un jusqu'au boutisme. On va ensuite flipper. On va enlever sa manipulation génétique. Oups, ça, il est encore ici. On va aller chercher son petit truc à gêne. Gêne thérapeutique qui va lui donner un plus 2 d'attaque. Il y a des attachements en masse dessus. On va payer 3. On va faire 3 Monsieur Sinistre. On va enlever son tenace. On va y aller avec un plan d'attaque, entraînement à l'assaut et une prouesse martiale pour 9. Plus 1, 10 de dégâts. Fait que je vais faire 10 de dégâts. En déferlement, ce qui va faire... attends, j'y fais comment? Il y a 3, fait que j'y fais 7, 8, 9 en excès. Fait que Monsieur Sinistre explose. Et je fais 9 à clas. Ah, c'est juste 9? Attends. 10. Ouais, c'est ça. 9 plus 1, ça fait 10. Ouais. Cool. J'enlève toute la manigance. Là, tombe à 1. Je vais piger 2 cartes. 1, 2. J'ai un entraînement à la défense que je vais jouer sur lui. Puis je vais garder mon autre cible à abattre. 2, 4, 5. OK.
Ça va monter de 2 parce qu'il y a une accélération maintenant. Il veut m'attaquer de 1. Il va m'attaquer de 4. Il va me rattaquer une autre fois de 0. Fait que je tombe à 3. Il me rattaque, mais pas de carte de boost à cause de l'effet ici. Il m'attaque, pas de carte de boost, je ne me prends rien. Carte rencontre. L'avancement, il manigance de 2 plus 0, ça remonte à 4. OK. J'ai pas de sbire. Ça m'énerve. Ah oui, mais je peux le péter pareil. OK, ben je peux quand même y faire des dégâts. La cible prioritaire, elle s'en va. Parce que je vais le péter avec de l'excès pareil quand je pète un ennemi. Oh my god, que c'est bon. Ok, ça me prend une ressource physique. Je vais. Oh, je l'ai, ma ressource physique. Je vais faire un brillant tacticien. Je vais enlever ça à 1. Je vais me ramener une cible prioritaire que je vais mettre sur Kla. Je vais ensuite utiliser. Oh non, ça me prend une ressource mentale, Steve. On va regarder notre génie. Notre génie, on va surpayer. On va faire ça plus une technique guerrière. Fait qu'on va faire 5. Fait qu'on va faire 1 ici. C'est sûr que les dommages en excès sont perdus. C'est triste. Mais je vais quand même pouvoir défausser puis aller me chercher plus de cartes. Fait que je fais 6, 7. Fait que 1, 6, 7, 8 en excès. Fait qu'on va péter là. Il va flipper sur son stade 3. Je fais 8 en excès. Donc, je vais défausser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais aller me chercher. Toutes ces cartes-là vont être à moi. Plaf. Là, il est tenace. Et là, je pige une, deux cartes. À cause de mon cible à abattre. Je peux pas le marquer, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer pour 1, enlever son tenace. Je vais chercher des. Oh oui, là, il tombe à 22. Tombe à 22. Je vais chercher des ennuis pour un sbire. Ah oui, c'est sûr, là, je pense que celui qui m'attaque tout de suite pour que je tombe à 1. Il m'attaque de 2. Je vais le cibler ici. Ah, ça va être beau. Oh my god, que ça va être beau. OK, je vais utiliser un plan d'attaque, une technique agressive et une contre-attaque au point. Fait que je vais faire 7 avec une compétence guerrière, 8. Plus 3, je vais faire 11. Oh my god, que c'est bon. J'y fais. Ouais, je fais 11. Fait qu'on regarde. J'utilise plus 1. Fait que mon attaque fait 6. Plus 1, ça fait 7. Plus 1, ça fait 8. Plus 3, ça fait 11. Je fais 3, 9. Je fais 3 d'ici. Fait que je fais 8 en excès, 9, 10 en excès. Fait que je vais enlever toute la malveillance. Puis je fais 10 à Kla qui tombe à 12. Parce que je fais 10 en excès, je vais faire une instance de triomphe, puis je vais me healer de 10. Je vais revenir à 10. Puis j'ai pas besoin d'aller retourner en alter ego. Nice. Puis lui est parti. Ça, c'est explosé. J'ai une autre cible pour le prochain tour. Oh my god, que c'était beau. 2, 4, 5. Ouf, que c'était beau. 2 de manigance. Kla veut m'attaquer pour 2. Je vais prendre l'attaque. Défausse un soutien. Défausse un soutien. Bon, ben j'ai pris 2. Je vais descendre à 8. Carte rencontre. Bon, ben, on n'a pas rien d'autre. OK. Je vais. Ça me prend une attaque, par exemple. C'est ça qui me gosse. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Je vais utiliser ma visière pour faire 3. Ça se peut que je le pète, ça. OK. Je vais utiliser 1 et chercher les ennuis
pour faire un rayon ricochet. Je vais faire 3 dégâts à un ennemi. Fait que je vais faire 3 clubs. Il va descendre à 9. Et je vais faire 3 dégâts à un ennemi qui a un attachement. Fait que vu que j'y fais 3, je fais 2 en excès. 3, 4. Fait que je fais 4 à clubs. Fait qu'il tombe à 5. Lui, il est pété. Ça, ça part. Ça, ça part. Je vais contrer à 2. J'étais à 8 points de vie. Je vais jouer Angela, qui va aller me trouver un sbire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, j'ai pas le choix, ça va être un blindé. Bouh! Là, j'ai-tu encore les deux avancements là-dedans? Fait que je veux juste voir c'est quoi les probabilités que je me prenne un avancement. Bon, il m'en reste 5 un dans le deck. Ok, fait que je vais peut-être prendre la chance d'aller en alter ego. Angela va enlever son tenace. Ici, elle va se prendre un. Je vais aller me cacher en alter ego. Je vais regarder. Il m'en reste pas. Mais là, je me prends 2-4 rencontres. Fait que... Ouais, attends, je vais garder cette carte-là dans mes mains. Ça me fait des cartes. Ça me fait des cartes de moins. Allez, allez. On l'explose. Hein. Pour un deck agressif, il me semble que ça me prend un petit peu trop de temps à le péter, là, mon petit clou. OK. Ça va monter à 2, 3, plus 0. Ça monte à 5. 4 rencontres. C'est sûr que ça ne pouvait pas être quinte. 1, 2. Il n'y a pas de sbire hydra. Fait que je vais aller me chercher le petit dude qui attaque rapidement. Là. Ah, oh, putain. Ah non, c'est pas un hydra, celle-là. En reste-tu? Bon, il en reste plus dans le deck. Et on les a toutes défaussées tantôt. Ils sont toutes collées. Putain, on va mettre lui ici, qui fait rien. OK, puis on a gagné. On va aller chercher une technique. On va aller tout de suite chercher un ciblé. Et on va le trucider. On va flipper en mode héros. On va mettre une cible prioritaire ici. On va utiliser notre rubis pour faire 3 sur le blindé. Piocher 1, piocher 2. on va le tuer avec un dans la mêlée. Là. On va juste faire un dans la mêlée ultra, ultra agressif. Fait qu'on va surpayer pour dans la mêlée avec une ressource mentale physique. Enfin, on va tout payer nos ressources. Elle va y faire 2. Puis moi, je vais faire 9. 9. Fait que 1, je fais 8, 9, 10 à clas en excès. Paf, il est mort. Fait que c'est ça vraiment la stratégie là, avec les cibles à abattre. C'est que toutes les attaques contre ce sbire-là gagnent le déferlement. Fait que là, quand tu es rendu, que tu fais des attaques à 9, puis tout tu. Là, en plus, j'enlève toute la menace. Puis en plus, je le fais sur le boss. C'est juste de la violence pure. La dernière fois qu'on a vu quelque chose d'aussi beau, c'était avec la carte technique de Nebula qui donne tes attaques déferlement perçant. C'est juste de toute beauté. Fait que Monsieur Claw is complètement kaput. Fait que ça, c'était la vidéo agressive. Checkez les prochaines. Ça, c'est vraiment ma stratégie préférée avec Cyclops. Ciao! Alors, voici le deck pour notre frappe furtive, notre attaque furtive. Alors, évidemment, la stratégie, les attaques furtives, se battre jusqu'au bout. Les derniers retranchements, ça, c'est nos cartes qui vont payer, qui vont être accès ou vont
rehausser notre stratégie. Évidemment, on va être capable de jouer plein d'alliés pas chers. Alors, Wolverine, Havok, Bee, le Fauve Gentil, Rockslide, Polaris, Colossus, Professeur, Storm, Dazzler, Banshee. Évidemment, les frappes furtives, les meilleurs targets, évidemment, ça va être le Fauve. Polaris qui nous donne un tenace, lui qui nous donne une ressource, Dazzler et Professeur qui sont capables de désorienter. Fait que ça, c'est huge. Ensuite de ça, Pixie puis Karma, c'est deux alliés qui ne marchent pas dans la stratégie parce qu'il faut qu'ils soient joués de la main. Fait que ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on les joue de notre main pour être capable de faire leur effet. Ensuite de ça, pour garder une consistance à notre deck, on a deux éducations des X-Men qui nous permettent de rebrasser les alliés. On a deux éducations des mutants qui nous permettent de recycler nos tactiques, nos brillances tactiques pour aller rechercher n'importe quelle de nos stratégies de tactique ici. L'honorable X-Men nous permet de jouer la frappe furtive ou l'attaque furtive depuis notre alter ego. Le ex-gène va payer pour nos brillants tacticiens. Les trois ressources doubles, ben, vous savez pourquoi que c'est là. Bon, fait qu'on va aller voir ce que ça donne en gameplay. Oui, on est prête. On va voir si nos attaques furtives vont être plus féroces que dans le sabre et ses sentinelles. Notre stratégie vise à attaquer rapidement et faire du dégât rapidement avec nos alliés qui rentrent, qui sortent, c'est comme des ressorts. Puis je continuerai pas cette 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas si pire, ça, parce que je peux payer. Il faudrait que je pitche des affaires. Mais ça, j'ai besoin de les garder, par exemple. Je vais pitcher deux cartes. Un. Ah, ça, c'est. Oh my god, ça, c'est excellent. Check bien ça. Ok, je vais aller me chercher une tactique. Je vais mettre un pratique à la défense. Ok, je vais flipper en mode héros. Je vais attaquer pour un, enlever son tenace. Je vais utiliser un exploité faiblesse pour jouer à tournade. Est-ce que je joue tournade comme ça? Est-ce que je joue ma stratégie de suite au tour 1? Ou est-ce que j'y vais plus tranquillement? Puis je fais 1, 2, 3, 4, je fais juste jouer tornade. Ah, attends, je vais juste jouer tornade parce que je veux la sacrifier pour 5 de dégâts à la place. Bon, je pense que ça, je vais faire. Je vais contrer à 2, puis je vais déplacer 2 ici. Elle va se prendre 1. Puis on n'a pas besoin de se faire de dégâts tout de suite. On va garder notre frappe furtive. Hein, parle-moi de ça. 2, 4, 5. Cool. On va mettre une de menace, deux de dégâts sur le sénateur. Il va m'attaquer à 1 plus 0. Fait que je vais me prendre 1. Descendre à 9. Il se guérit de 2. Ah, oh, nice. L'ombre du passé qui décalisse. Ah, puis, oh, c'est que c'est bon. je perds ma visière. C'est tellement bon de pogner son. Cyclope, je pense, c'est la meilleure obligation que tu peux aller chercher. Dean? Une minute. OK, I'm going to go up in a sec. Fait que c'est vraiment, sérieux, c'est la meilleure obligation que tu peux aller chercher parce que là, je peux juste aller en alter ego puis juste être mort de rire. OK, qu'est-ce que je peux aller chercher? J'ai pas fait de dégâts. Je peux pas contrer la principale. Parce que j'ai pas goût de me prendre deux cartes en compte tout de suite. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est revenu dans ma défausse. Ok, je vais aller me cacher un alter ego. Je vais aller me chercher une de mes cartes tactiques. Je ne vais pas les utiliser trop rapidement, celui-là, parce que j'en ai juste 6. Bon, je vais prendre ma défense. Je vais garder mes sites prioritaires parce que j'ai les sbires sentinelles. Fait que si je suis capable de péter les sbires sentinelles, c'est sûr que c'est meilleur. Je vais m'épuiser pour reprendre mon rubis. Si on va coller ça au vidange. Je vais payer 2 pour jouer ma visière. Puis est-ce que je paye 4 pour jouer Vulvarin?
Ouais, je pense que ça, je vais faire. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Pour jouer Wolverine. Puis je vais le garder tranquille. Je ne vais pas attaquer, ça ne me donne rien d'attaquer. Je fais juste gaspiller. Quand on va faire du dégât, on va y aller pour du vrai. 1, 2, ah, comme ça. Ça va faire du dégât pour de vrai. 1, 2, 3, 4. Avec une attaque furtive. Oh, que c'est beau. Plus je vais pogner Polaris. Oh, c'est bon. OK. Ça va monter à 4. Sénateur se prend 2. Il va manigancer de 5. Fait que ça va monter à 9. On s'en fout, il n'y a pas de limite ici. Il va se guérir de 0. 4 rencontres. Renfort dans. Il fait un dégât au sénateur. Fait que là, il est rendu à 7. OK. Je peux pas le bloquer, ça, parce que je ne suis pas en forme de héros. Faut vraiment soit en forme de héros pour être capable de bloquer ça. Ok, je vais aller me chercher une carte tactique. Je vais probablement mettre une cible prioritaire parce que je pense que c'est les seules qui me restent. Je pense pas être capable de le péter ce tour-ci, mais on va voir. Ok, j'aimerais ça le désorienter avant d'en. Ah non, mais j'ai pas le choix. J'arrive pas le choix de le faire. Lui, il se guérit de 1. On n'a rien à faire avec ça. On va mettre la cible prioritaire. OK. On est à 9 points de vie. Fait qu'on va juste se redresser. On va utiliser tornade. Non. Je vais juste. Non, lui, il contre à 2. Pas besoin. Il attaque à 1. On va contrer à 2 ici. On va aller sauver le sénateur. On va se pogner une carte rencontre. OK. Tornade va attaquer à 2. Plus 5. Fait que elle va faire 7. Fait que dans le sable, tombe à 8. Je vais utiliser. Ah, ben là, je vais être poigné avec des ressources que. Je me sers pas. Non, c'est pas bon ça. Je pense même pas que j'ai besoin de le faire comme ça. Je vais faire 3 dégâts sur le dent de sable. Il va tomber à 5. Wolverine va attaquer à 3. Il va descendre à 2. Il se prend 2 dégâts. J'ai une meilleure idée. Check bien ça. Je vais utiliser dernier retranchement pour une attaque furtive sur Polaris. Polaris va me donner un état tenace à Wolverine. Elle va attaquer à 2. On va péter Sabretooth qui va me faire piocher 2 cartes. 1, 2. Je vais payer 4 pour jouer Beast. Ah oui, puis ça, c'est retombé à 0. Puis Beast, qu'est-ce qui fait mon beau Beast? Je brasse mon deck parce que j'ai été chercher pour une ressource. Je vais garder ma ressource double. Tout le monde est épuisé. Elle a été utilisée. Beast, il va. Ah, j'ai pas besoin d'enlever son tenace. Beast, il va se tenir tranquille. Polaris, elle va s'en aller. J'ai un bloqueur avec Wolverine. J'ai 2, 4 rencontres. 1, 2. Ah, puis là, je vais pouvoir désorienter. 2, 4. Une attaque furtive en plus avec le professeur. Puis là, il tombe à 18. OK. Là, ça marche au coton. Alors, on met une de menace. Le sénateur, il ne veut pas rien savoir. Moi, je vais juste me défendre. Il attaque sénateur. C'est ça. Il m'attaque à 3. Puis si ça. Pète un ennemi. Fait que ça pète pas. Fait que je me prends un dégât. Je tombe à 8. Et il se guérit de 1. Mais il se guérit pas parce qu'on fait rien avec. Ensuite de ça, carte rencontre numéro 1. Renfort. Il enlève. Oh, évidemment, ça, il prenait ses griffes acérées. Un avancement de 2, de 3. Et il se guérit de 0. Fait que ça monte à 4. OK. Wolverine se guérit de 1.
Hey, je vais mettre une cible prioritaire dessus. Non, pas vrai. Je vais faire zap pour 3. C'est à distance, donc je prends pas de riposte. Il tombe à 15. Ok, Wolverine, il va attaquer à 3. Dans le sort, tombe à 12. La riposte enlève le tenace. Ensuite, il se prend 2 dégâts de conséquence. Ok, ça c'est fait. Ça c'est réglé. Je vais payer 2 pour un brillant tacticien. Je vais ramener une de mes cartes tactiques. Je vais aller chercher. Me battre jusqu'au bout? Non. Ah, c'est pas grave ce que je vais aller chercher parce que je vais juste le dépenser Je vais payer 1 pour une frappe furtive. Je vais rentrer le professeur qui va. Est-ce que je le redresse? Il est à 12. Je peux faire un autre 3, il serait à 9. Il serait à 7. Je pourrais le mettre à 7. C'est quand même pas pire. Ou je le désoriente. Je vais juste le désorienter. C'est moins compliqué. Je vais enlever toute la menace. Le fauve va attaquer à 2. Il va descendre à 10. Je vais aller me cacher en alter ego. Professeur X s'est pris 1. Il est désorienté. On est dans les belles places, là. Lui, il s'est pris un dégât de conséquence et une de riposte. Puis je pense que la game va se finir à ce tour-ci, là. 2, 4, 5, 6. Oui, ça se finit ce tour-ci. Pas, ben, je vais même pas faire le full blast. Je n'ai pas besoin. Même si ça serait super le fun, mais je n'ai pas besoin. Un de menace désorientée. On se prend renfort dans ciblé pour l'élimination. Tristement, dans le sable, il ne fera pas le pour. Donc on va juste le violenter le plus possible. Ah, s'il m'en reste plus. J'ai même pas j'ai-tu passé à travers mon deck? Je pense que j'ai même pas passé à travers mon deck encore. Ok, j'espérais jouer Karma, mais je n'ai pas pogné. Fait que c'est pas grave. On va aller en mode héros. Professeur, techniquement, il est parti. Hey, Karma, elle sera pas. Elle sera, on va la rendre utile, la Karma. On va payer 4. 1, 2, 3, 4. On va jouer Karma. On va. Elle va se battre jusqu'au bout. Elle va faire 4 à dents de sable. Il tombe à 6. Wolverine, il se guérit d'un, mais il va faire 3. J'espère que je le tue parce que sinon, il tombe à 3. Le fauve attaque à 2. Il tombe à 1. Et Cyclops, petit coup de poing. Pouc! Et on pète Sabretooth. Il est mort. En 12 minutes, avec la stratégie, hey, on était vraiment furtif. Hey, j'arrivais ça à pogner une sentinelle. Hey, je me vole une sentinelle là, qui attaque à. C'est lequel là, que tu veux? Le meilleur sentinelle à pogner, c'est soit lui ou c'est soit celui qui va te chercher lui ici, là. Parce que lui, tu le pognes, puis tu le mets à 5. Il attaque à 5, il est tenace. Il a même 3 points de vie. Mais 5 tenaces. Pouf, il attaque, paf, il attaque, paf, il attaque. Fait qu'il attaque en 3 fois. Il peut faire 15 de dégâts si tu le ramasses. Fait que ça, c'était notre deck d'attaque furtive. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On va aller voir la prochaine vidéo maintenant. La stratégie, vous voyez, des fois, il y a des questions de timing. Des fois, tu es comme, ah, il me manque une carte. Ah, ça marche. Mais si vous mettez assez de bonnes cartes dans votre deck, à un moment donné, la stratégie, je pense que j'ai. Il y avait une autre carte que j'aurais pu mettre, là. J'ai oublié de mettre Psylocke parce qu'elle était dans mon deck agressif, là. Mais tu peux rajouter Psylocke là-dedans parce qu'elle aussi a fit dans la stratégie là, pour le dernier retranchement. C'est juste que je l'ai oublié. Il était tard quand j'ai fait le vidéo du deck. Fait que, puis je viens de réaliser que j'ai oublié de la mettre Psylocke dans le deck. Fait que, c'est pas grave. Mais ça, c'était le deck. On continue pour la prochaine. Alors, pour notre deck de protection, on va s'affronter contre l'homme absorbant et les pirates de l'espace. La stratégie, évidemment, va passer autour du protecteur des mutants,
qui n'a pas le trait tactique, malheureusement, mais a le trait de défense. Alors, on peut essayer d'abuser de ce trait-là de quelque manière. On a Jocasta pour récurer. On a aussi les nerfs d'acier pour payer pour l'événement. On a aussi l'entraînement à la défense pour rebrasser ou recycler ces cartes-là pour être sûr qu'on le voit à plusieurs reprises dans notre deck. Ensuite, on a joué les pirates de l'espace pour être capable de mettre les clous au sol pour que ça fasse du sens avec des ennemis qui ont le coup rapide et qui ont des effets négatifs. Fait que ça va montrer ça aussi. Ensuite, on a les trois ressources doubles et on a une panoplie d'alliés. On a 2, 4, 6, 8, 9, 10 alliés avec Jean Grey et Jocasta. Donc, c'est 11 alliés dans notre deck. Nos quatre gros alliés où ce qu'on va vouloir recycler avec les instructions des X-Men, c'est le Colossus, Rockslide, la Bête et Dazzler. Eux autres, ils rentrent en jeu, ils vont désorienter, nous ramener une ressource double pour nous aider à payer pour d'autres cartes. Rockslide, il attaque à 3 et Colossus attaque à 3. Lui, il a riposte en plus. Une des belles choses, c'est quand on a Utopia, le petit combo qui est vraiment nice, c'est qu'on va cheater un allié comme Colossus en jeu avec son Tenace. Et on va trigger l'Utopia parce qu'un X-Men qui est rentré en jeu, on va le redresser lui-même avec Utopia. Donc, il va s'absorber l'attaque dans le Tenace et ensuite, on va pouvoir attaquer avec ou défendre une deuxième fois si jamais il nous attaque de nouveau. Même chose pour Rockslide qui a 6 points de vie, là, c'est juste trop fort. Ensuite, les cartes qui sont payantes moyen, c'est les Professeurs X. Encore une fois, avec Utopia, on désoriente, on se redresse. Polaris qui nous donne un état tenace ou elle se donne un état tenace elle-même. Diablo qui peut nous protéger. Ce n'est pas techniquement avoir défendu, mais quand un X-Men se prendrait du dégât, on peut juste le bouncer et on peut épargner le dégât et en plus on peut le rejouer au prochain tour. Armure et Forge, c'est les deux derniers X-Men qui vont aller à Forge, va aller chercher nos améliorations aussi, nos cartes de soutien. Et Jocasta évidemment pour ça. Alors ça, c'est l'ensemble du deck, la stratégie. Vous allez l'avoir en action momentanément et on va voir ce que ça donne. OK, on est pratiquement prête pour aller affronter l'homme absorbant. Tout ce qui nous reste à trouver, c'est un environnement qui va absorber, mais vu que son pouvoir super absorbant, on a toutes les traits. Ah, va être la première carte en plus. Alors, renfort... On le guérit de 1 avec le petit rocher. Il y a le trait de la pierre. On brasse le deck rencontre et notre obligation. Et on va regarder qu'est-ce qui nous tombe dans les mains. Alors, 1, 2... Oh, Jocasta, tour 1, c'est pas cool. Mais on a notre protecteur mutant. C'est quand même... Ah, oh, mais avec deux decks... Ah, ben ça, c'est cool, par exemple. Là, moi, je suis quasiment inclin à garder ça direct de même. Parce que je paye 2 pour ça, je paye 3 pour Jocaste. J'enlève son pouvoir... Oups, ça, c'est supposé être à 2. Son pouvoir super absorbant. Puis, j'ai un exploité faiblesse que je peux mettre dessus, genre pour le LOL. Ou je vais chercher un moyen d'attaque. Puis, je garde mon protecteur mutant. Hey, écoute... Puis on commence déjà à y faire un peu de dégâts. Ah, on fait ça. OK, on va garder notre main exactement comme ça. Ou attends, c'est pas vrai. On va pitcher deux cartes. L'instruction des X-Men, puis rayon ricochet. OK, c'est cool ça. C'est mieux des fois de défausser plus de cartes pour aller essayer de trouver des bons événements. Fait que je vais payer 2 pour jouer ma visière. J'ai... pas d'alliés encore, fait que je vais payer 3 pour jouer Jocaste, qui va amener ça ici. L'instruction des X-Men, tristement, j'ai rien à mettre dessus. Puis je vais aller chercher une tactique que je vais mettre, pas une cible prioritaire, mais je vais mettre un... Qu'est-ce qu'on met dessus, là? Le moyen d'attaque. Bon, toutes mes cartes sont là. Défense, pratique de défense. On a brassé. Alors, vu que j'ai ma visière, je vais rayon optique, y faire 3 dans la gueule. Alors, il va tomber à 12. Moi puis Jocaste, on va contrer et on va enlever tout de suite son super pouvoir absorbant. Question de régler les choses tout de suite. Hey, Polaris! Ah, ben, protecteur 3, 4 et 5. Bon, évidemment, toutes les améliorations... qu'on voudrait jouer. On les a toutes eues dans le même tour. Alors, pourquoi pas?
OK. Alors, on va avoir Jocasse comme défendeur. On va mettre une de menace, un délai. Il va attaquer à moins 1. On va utiliser non, le petit manoir Utopia. On va utiliser Utopia, puisqu'on peut aller le rechercher anyway. Pour jouer protecteur des mutants, on va mettre Polaris en jeu. Lui, il attaque à moins 1. Fait que je vais donner un état de tenace à Polaris. Ouais, on va lui donner son état tenace, c'est cool. Fait que là, il va attaquer pour 1. Puis il va aller chercher son trick. Fait qu'il va attaquer pour 2. Elle va perdre son tenace. Carte rencontre. Un petit criminel qu'on va payer 2. Paf. Puis elle va tuer Jocasta. Puis on va régler ça comme ça. Bon. Tac-tac-tac-tac. Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu le petit manoir? Ça ici, ça se défausse. J'ai pas de ressources physiques. Fait que je pense que je vais contrer à 2 ici. Lui à 3. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, Steve? On met un petit manoir X. On n'a pas perdu de vie. Bon, je pense que je vais faire 2. Je vais juste mettre un air d'acier. Je vais aller ici. Puis, je vais aller me chercher un cloué au sol que je vais juste pitcher sur ce bonhomme-là. Puis là, au moins, il attaque à moins 2. Fait qu'il fait pas de dégâts. Fait que c'est drôle. Puis, je me suis débarrassé d'une carte de mon deck. Puis, au pire, les protecteurs mutants, on va être capable de les recycler. On le sait déjà comment. Fait que 2, 4, 6. Ben, ça, c'est parfait. C'est le prioritaire. Zip, on le zappe. On pige 2 cartes de plus. On va rebrasser une coupe de trucs. Ah, c'est bon ça. Ça va monter à 2. Il manigance à 3, 4, 5, 6. Aïe, aïe. Ça va monter à 8, à 9. Écoute, on peut perdre. On est rendu à 2 délais. Un avancement pour perdre la partie. Un autre petit pirate qui fait rien. Bon, ok. Bon, on va aller chercher une autre amélioration qu'on va pitcher dessus. J'en ai-tu un deux? Il m'en reste un autre cloué au sol? Ben oui, il en reste un autre cloué au sol. On va le pitcher sur lui. C'est bon. Tiens, les petits pirates, allez jouer dans le trafic ici. On va monter en mode héros. Qu'est-ce qu'on joue avec notre petit bonhomme ici? On va faire, je pense, une cible prioritaire ici. On va utiliser notre rubis pour le rayon optique. Bzzz, on le zappe. On va piocher une, deux cartes. C'est ça, j'espérais de trouver une ressource double. On va payer quatre. Pour jouer le fauve qui va me ramener une ressource double, c'est juste trop bon. Puis ça, je suis obligé de rebrasser mon deck. Est-ce qu'on joue? On a deux alliés qui sont capables de s'amuser ici. On pourrait faire deux brillance tactique. On se ramène une tactique dans nos mains. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ramène? Bon, on pourrait péter ce sbire-là, mais c'est pas qu'est-ce qui est le plus important. Ouais. On peut le péter, puis après ça, on peut contrer à 3. Ben, c'est ça qu'on va faire. On va commencer par contrer à 3. On joue une brillance tactique. On va contrer à 3. 9 va descendre à 6. Déjà là, c'est important. On va se ramener une petite cible prioritaire. On va utiliser Polaris et Cyclops pour faire 3 dégâts. On va péter lui. On va piocher une, deux cartes supplémentaires. Puis, je pense que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le professeur pour 3, qui va désorienter notre ennemi ici. On va contrer à 3. Tiens, écoute, parle-moi d'un beau tour, ça. Qui va se manger un, va se manger un. Le fauve qui a rien fait, qui va contrer à 2 lui aussi. Se prend un. Écoute, c'était un merveilleux tour, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, hey, on a forge. On va être capable de recycler nos cartes. Yes, sir! Hey, ça va monter à 2. On est rendu au troisième tour. Professeur X va se prendre l'attaque de 3 plus 0. Il va mourir. C'était défendu. Attends, il est où mon environnement? Ah, il est ici.
Fait qu'il se guérit pas parce qu'on a tous défendu ses attaques jusqu'à présent. Je suis sonné. S'il y a le trait de la glace, il l'a pas. Prends deux dégâts. Fait que je suis sonné. Mon petit tabardane, toi. Fatigué. OK. Fait que je pense que qu'est-ce qu'on fait? Même si on est sonné, on va payer 2 pour jouer Forge, qui va aller chercher un petit Utopia. Bon, un petit Utopia ou un manoir X. Non, on va aller chercher le manoir. On va attaquer pour enlever notre sonné. On va aller se cacher un alter ego. On va aller chercher un autre. Il m'en reste un autre? Ah, il m'en reste pas. Oh non, ça c'est pas cool. Parce que là, je peux pas le jouer. Zut de flûte. Ben, je choisis. Moira ou même la manoir. Alors, payez 2, on va jouer Moira McTaggart. Elle va nous faire piocher au moins. Polaris va attaquer à 2. Le Faux va attaquer à 2. Puis Forge va contrer à 1. Fait que ça. Puis Cyclops. Je sais pas pourquoi qu'il n'a pas rien fait. Ah oui, il a attaqué. Il avait déjà attaqué. Fait qu'on va lui faire 5 de moins au boss. Fait que 12 moins 5, il tombe à 7. Parle-moi de ça. On est à 10 minutes. Écoute, on va essayer de se dépêcher un petit peu. Là, c'est un peu long. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, notre timing n'est pas vraiment excellent sur nos protecteurs mutants. J'avoue que c'est pas vraiment de la grosse classe là, présentement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va voir si ça peut s'améliorer. 2, 4 délais, désorienté. Et il y a le trait de la pierre. On lui donne une carte boost face cachée. OK. Pas trop compliqué, ça. On sait qu'il ne reste plus de préparation. Fait qu'on se cassera pas le bécic là-dessus d'aller en chercher un. On va se flipper en mode héros. Moira McTaggart nous fait piocher une carte. Ah, ça, c'est bon. Ça, on va garder notre sergent de pierre ici. On va payer 2 pour un brillant tacticien. On va contrer à 3. On va se ramener une carte de tactique. On va se ramener quoi, mon Steve? T'as une cible prioritaire. Est-ce qu'on joue armure? Non. Je pense que on va mettre une cible prioritaire sur notre ami ici. On va utiliser notre rubis pour y faire 3. Il va tomber à 4. On va utiliser le Fauve et Polaris pour faire 4. On va péter ça ici. Il va flipper. Il va monter à 16. On va piocher 1, 2 cartes. Y a-t-il de quoi qui se passe? Non, il n'y a rien d'autre qui se passe. Il n'y a plus de menace, rien. Qu'est-ce qu'on fait avec un poui-poui comme ça? Ben, on va faire 1, 2. On va jouer armure qui va rentrer avec un état tenace. J'ai encore toutes ces cartes-là, mais je vais les garder dans mes mains pour faire des trucs. Je vais attaquer à 1. Puis Forge va attaquer à 1. Ça va faire 2 de moins. Fait qu'il va descendre à 14. Puis on va être triste pour notre petit ami ici. Là. Hey Diablo! Tiens, 1. On brasse notre deck. Ben, la partie est pas mal déjà finie. On est à quoi? 12 minutes? J'ai pas vraiment réussi à vraiment démontrer la stratégie de protecteur mutant. On va espérer qu'on est capable de le faire là. C'est sûr que des fois, quand ça tombe mal, les cartes, ça tombe mal. Mais je pense que avoir joué le manoir X, Utopia, ce que vous avez pu voir, c'est que, ah, parfait, je peux jouer Dazzler, je la redresse. Surtout avec les ceux qui ont les états tenaces, là. C'est vraiment, vraiment bon. Mais on va voir ce qu'on peut faire. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour 1, on va mettre une de menace, un 5e délai. Dom delay. Alors, il veut nous attaquer. On va utiliser les nerfs d'acier pour jouer notre événement de défense protecteur des mutants. On va mettre Dazzler. Ouais, on va mettre Dazzler devant. On va le désorienter. C'est ça qui se mérite.
Dazzler va se prendre deux cartes de boost. S'il y a le trait du bois, ah, il l'a. Fait que je vais être sonné de nouveau. Ce qui est fatiguant. Dazzler se fait éclater la face. Et là, vu qu'il y a le trait, on va se prendre un dégât indirect. On va le prendre. On n'a pas pris un dégât encore. Fait qu'on va commencer. On va s'en prendre des dégâts. 0-9. 2-4 rencontres. Là, il y a le trait de la glace qui va donner renfort. Un prix par surprise. Bye bye, Moira. Et là, il y a le trait métal, renfort dans épuisement, renfort dans... on va mettre deux de menace pour chaque deux délais. Fait qu'on va mettre deux de menace, ça tombe à trois. OK, c'était pas trop compliqué. À part que là, je suis complètement gelé. OK. On va... Ben, t'as qu'à être ici. On va aller se cacher en alter ego. On va aller chercher une amélioration. On va en pogner une qu'on s'en fout, là. Une pratique à la défense. Puis, on va faire pratique à la défense pour jouer entraînement défensif pour remettre... Non, on le fera pas tout de suite. On va le faire après. Je vais garder mes alliés dans les mains. Peut-être parce que tu gardes de piger un autre. 2, 4, 6. Fait que ça va monter à 4, un sixième délai. Il est désorienté. Carte rencontre. Plan machiavélique. Y en a-tu des plans? Y a-tu quelque chose dans le ciel à soir? Y a-tu une manigance annexe? Ah, ben oui. Sonnez l'alerte avec deux petites manigances. Fait que ça donne tous les ennemis ont plus un d'attaque. OK. Tac, tac, tac. On va aller chercher. Une carte, écoute, j'arrive pas à sortir les cartes que je cherche. Fait qu'on va aller chercher un exploiter la faiblesse. On va utiliser l'entraînement à la défense pour mettre un protecteur des mutants dans notre deck. On va aller en mode héros, on va attaquer pour enlever notre sonnée. On va lui donner un moyen d'attaque. On va payer 3 pour jouer Diablo. On va payer 1 ressource physique pour rebrasser son boulet dans le deck. Ah oui, puis il n'y a pas. Non, il n'y a pas activé contre nous autres. Il n'y a rien fait. Diablo va. Bon, ouais. Diablo va contrer à 2 sur sonner l'alerte. Juste au cas où qu'il y ait des petits sbires qui rentreraient fatigants. Puis on va se garder un protecteur des mutants avec une roche. 2, 4, 5. Ah, là ici, ça risque d'être. Là, ça risque d'être cool. Vous allez être capable d'avoir de quoi de fun. OK. Ça va monter à 5 de manigance avec un 7e délai. Il veut nous attaquer pour 3. Pour 1, on va jouer Rock Slide. Et là, ça aurait été cool d'avoir l'autre. Pour 1, disons, on va jouer Protecteur des Mutants. On va jouer Rock Slide qui arrive avec 6 points de vie. Ça va être notre défenseur. Il va se prendre 3, 4, 5 de dégâts. Mais non, il ne se prend pas 5. Je vais utiliser Polaris pour ramener Diablo dans mes mains. Comme un chef. Et il se prend aucun dégât. J'ai défendu l'attaque. Donc, on ne défausse pas de carte. Mais là, il y a quand même le trait. C'est quel trait qu'il y a? Le trait métal là, qui dit « Prends un dégât indirect. » Je vais le mettre sur ma grosse roche. Ensuite, carte rencontre. Là, ma façon d'attaque avec le trait... Non, il n'y a pas le plus un d'attaque. Fait que je vais utiliser armure et je vais quand même prendre un autre dégât indirect. Fait que... On s'en fout parce que elle est tenace. Cool! On va contrer à 2. Ça s'en va. Je vais aller en alter ego. Je vais aller me chercher une carte. Tactique. Une carte tactique. On a une petite type prioritaire, hein? On va les garder comme ça.
Je vais payer 1, 2, 3. Bon, je pense pas que je vais recycler celui-là. Je vais jouer Diablo, qui va contrer à 2. Il va se prendre un dégât. On a nos trois alliés. 2, 4, 5, 6. Bon, ok, parfait. On va pouvoir recycler nos cartes. Ça va monter à 2, à 2. Il va manigancer pour 2. Plus 2, ça fait 4. Ça veut dire ça monte à 6. Et là, il y a le trait métal. Donc, on prend encore un dégât indirect. On va le mettre sur notre roche. Carte rencontre. Ma visière perdue. Bon, et parfait. Là, j'ai perdu mon petit truc. Je peux pas attaquer. Oh non. Je vais aller me chercher une amélioration. Hey man, j'arrive pas à pogner des sbires et des trucs comme ça. Je suis comme carrosse. Il va y chercher, tiens. Exploiter la faiblesse. Écoute, on peut attaquer pour 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a combien de points de vie, là? Il y a 14. Ah, on va le tuer. Il commence à être fatigué. Ah, il commence à être fatigué. Oui, fait que je vais épuiser pour enlever ma visière perdue, retrouver ma visière. Je vais payer Jocaste. Pour jouer exploiter la faiblesse, je vais aller me mettre en mode héros. On a notre roche qui va attaquer pour 4. Il va descendre à 10. Je vais payer 2 pour jouer ma visière qui va faire 4. Ça va descendre à 6. Armure et Diablo qui vont attaquer pour 2 et 3. Ça va faire 5. Il va tomber à 1 point de vie. Lui est encore là. Lui est mort. Fait qu'il me reste juste ça à faire. Et je vais pitcher mon brillant tacticien. Je vais garder mon protecteur des mutants. Puis on va finir ça au prochain tour. 2. Ah, oh, j'ai même pas attaqué. J'ai-tu attaqué? J'ai même pas attaqué. J'aurais pu le tuer. Je le dis-tu? J'étais-tu épuisé? Ah oui, je me suis épuisé par ma visière. 2, 4, 5. OK. Ça va monter à 7. Un 9e délai. Nerf d'acier pour jouer mon ami Colossus, qui est tenace, qui va se prendre. Pas de dégâts, mais on va se prendre un dégât indirect. Puis on va le mettre sur Colossus. Carte rencontre, un petit pirate qu'on va défendre pour 2. Et on va perdre ça ici. On va faire un rayon. Attends, on va y mettre une petite cible. On va faire un rayon ricochet. On va faire 3 dégâts et 3 dégâts. On va le péter. Et that's it. Zit, 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 paf, paf, paf. Tout le monde est mort. Merci l'homme absorbant de nous avoir fait une belle démonstration. Le deck n'est pas vraiment sorti comme que je voulais. J'ai pas vraiment pu m'abuser de l'instruction des mutants. Avec Utopia, ce qui est cool, c'est que tu rentres ton bonhomme, puis là, tu le redresses. Fait que, comme Colossus, il rentre, il perd son tenace, mais là, il peut tout de suite attaquer après, ou il peut défendre une deuxième fois. Fait que Utopia, c'est vraiment une carte qui est quand même assez maîtresse, là, avec le petit combo. Même chose avec lui, il a 6 points de vie, il se prend une attaque, mettons, de 4-5. Paf, on s'en fout, il se prend l'attaque, après ça, il peut réattaquer. Même chose pour Armure, le Fauve, parce que tous les autres. Le deck est juste comme sorti un petit peu weird, mais c'est pas grave, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Mais sinon, ça marche. Le deck, il marche quand même assez bien, là. Moira McTaggart, vous avez pu voir, tiens, on va passer d'Alter Ego en héros. C'est juste que je les ai toutes pognées dans le même tour. Puis quand ça arrive, mais t'es comme, bon, ben, fais des choix, mon Steve. Bon, mais ça, c'est fait. On va aller voir notre prochaine partie. Je pense qu'on va faire la justice après. Alors, pour le deck justice, encore une fois, je vous dis, un Cyclops en shield, c'est ultra, ultra bon. Ça me surprendrait qu'il y ait des meilleurs decks de Cyclops en justice, là. C'est juste
incroyable comment c'est contrôle, puissance maximum. Même pas besoin là, de beaucoup de sonner désorienté. Là, en solo, c'est extrêmement fort. Alors, évidemment, la stratégie Shield, elle va jouer avec les interventions de l'agence, les équipes de surveillance et Monica Chang. On a aussi Quake qui rentre là-dedans et le Torpilleur du Ciel. Alors, ça, c'est nos cartes Shield qu'on a. Ensuite de ça, on a évidemment le professeur et on a Bishop avec entraînement à la mission. Et ça, c'est notre ami René qui nous a dit, hey, check ça, ce petit combo-là, le fun. Alors, j'ai décidé de prendre un scénario où ce qu'on peut se faire attaquer assez souvent. Et à toutes les fois qu'on se fait attaquer, Bishop, il se prend un compteur et on peut retirer trois compteurs pour faire un 6 d'attaque avec Bishop. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait qu'on peut faire ça 3-4 fois dans la game. On a mis le manoir, puis un premier soin pour le guérir. Alors, au nombre d'attaques qu'on risque de se prendre là, avec les sbires, puis tout ça, ça peut être vraiment le fun. Là. Juste arriver avec Bishop, puis bam, bam, bam! Ensuite de ça, on a évidemment le X-Jet. On a Moira MacTaggert parce qu'on va pouvoir aller en alter ego vu qu'on a une façon de désorienter le boss. On a l'investigateur chevronné, sens de justice et le gène X, c'est ça qui vont prier, ils vont payer pour nos brillances tactiques. Les évaluer la situation vont pouvoir si on a la menace sous contrôle, on ramène évaluer la situation puis là on pioche plus. Et évidemment, l'école des mutants, on va pouvoir recycler nos cartes maîtresses. Et ça, c'est notre deck en justice. 42 cartes. On s'en va voir ce que ça a l'air. Oui, fait qu'on est prête à. Oui, c'est vrai, faut que j'enlève mon obligation. Je l'avais oublié. Il est rendu mon obligation 17. On est rendu à se battre contre le bouffon vert, formule mutagène avec notre Cyclope en justice. Cyclope justice, man, c'est tellement contrôle, mais avec beaucoup de vir, ça risque d'être assez intéressant. Voir comment ça va se régler. On va mettre deux cartes. On se prend-tu l'ombre du passé tour 1? Il me semble qu'on ne l'a pas vu beaucoup dans cette vidéo. Cyclope, il l'a comme évité pas mal, Monsieur Sinistre. On va brasser notre deck. Et on va regarder où est-ce qu'on en est. Oh, Bishop tour 1. OK. X, Gen X, 2, 4, 5. Ah, ben, Cora, 6. Ben, moi, j'adore ça. J'ai un sens de justice, priorité, gène X. Puis, OK, ben, je vais regarder ça de même. Je vais aller me chercher une amélioration. Je vais pogner celle-là, là. Ben, exploiter faiblesse. Ben, j'ai une main parfaite au tour 1. On va garder ça. Là. OK. On va mettre une cible prioritaire sur notre ami ici. On va payer 1 pour jouer le gène X. On va payer 2 pour jouer sens de la justice. Fait que ça, quand je vais faire mes brillants tacticiens, c'est gratuit. Toutes mes autres brillants sont toutes gratuits. Après ça, je vais jouer Bishop. Moi, j'ai un bloqueur au pire. Pip. Je vais utiliser mon. Non, je vais utiliser Bishop pour faire 3 dégâts aux sbires. Piocher 2 cartes. Sacrifice. Je suis allé voir les chances que j'ai une ressource double. Je vais payer 2, je vais mettre une carte de shield. Fait que moi je vais partir mes cartes shield anyway. Je vais pitcher ça parce que ben, l'entraînement à la mission ne me sert à rien. Je vais contrer à 2. Puis on va regarder qu'est-ce qui s'en vient. 4, 5. Ok, on va voir si on meurt ici. Fait que 2. Non, une manigance. Il va nous attaquer de 2 plus 2, ça fait. Pourquoi j'enlève ça? Ça monte à 4. Je vais tomber à 6. Ça se peut que je meure au tour 1. Là. 3 cartes, c'est une attaque. Non, ça c'est 4. Ah, c'est sûr que je meurs au tour 1. Un dude. Ben oui, mort du haut. Je vais bloquer de 2. Il m'attaque de 4. 5. Fait que je vais me prendre à 3. Je tombe à 3. Je rajoute une autre menace. Ah, c'est sûr que je suis mort là. L'avancement, tabarouette, de 2 plus 2, ça monte à 7. On flippe ça tour 1. Et un esclave bouffon. Oh, waouh, waouh. Merci, bouffon vert, pour ce merveilleux tour 1. Écoute, j'ai une cible prioritaire. Fait que, je me cacherai pas le bécile que je vais faire ça tout de suite. Je vais payer mon commandement. Pour faire 3 dégâts à cet esclave et piocher 2 cartes. 1,
Deux. Oui! OK. Je vais payer deux pour jouer brillant tacticien. Ça va descendre à un. Je vais ramener une cible prioritaire. Check. Et ça, j'ai 3 points de vie. Hein? Je vais payer. Ouais, je vais payer deux. Non, je vais payer un, deux. Je vais faire un rayon ricochet. Je vais faire trois. Et à trois, à un ennemi qui a un attachement. Une amélioration d'attaché. Je vais me prendre un dégât, je vais descendre à deux. Je vais piger deux cartes de plus. Un, deux. J'ai une intervention de l'agence. Je vais jouer intervention de l'agence pour enlever toute la menace. Je vais aller me cacher à l'alter ego et je vais faire évaluer ma situation pour avoir une taille de main à 7. OK. Ouf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. OK, on est calme. C'est un vieux point de vie. Là, j'espère juste qu'il pogne la carte qui m'attaque en alter ego, là, puis c'est fini. Là. Deux, trois, ça va monter à quatre, et quatre rencontres, je te vois. Non, plan machiavélique. Ah, ben, c'était la prochaine carte. OK. Donc ça monte à un. OK, j'ai pas le choix, je me régène. Je vais monter à cinq. Ensuite, je vais aller me chercher une amélioration. On va. Lequel qu'on va chercher? C'est pas grave lequel qu'on va chercher parce qu'on va probablement juste le dépenser. Je vais équiper l'équipe de surveillance pour enlever le overrun, puis je vais défausser une, deux cartes. Parfait. Il y a un bouffon. C'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait des bouffons. OK. On va flipper en mode héros. On va payer 1, 2, on va faire brillant tacticien. On va enlever 3 de manigance. On va ramener une carte tactique. On va mettre une cible prioritaire. C'est trop bon, hein? C'est juste trop bon. On va utiliser un pour zapper avec notre rayon optique l'esclave bouffon et piocher une, deux cartes. OK. On va payer 3 pour jouer Monica Chang, qui va aller nous chercher une équipe de surveillance. Je pense qu'on en a vu un dans les poubelles. Non? Il va en rester un dans notre deck. Oui. Et ils vont tous avoir un plus un ici. Monica Chang va enlever la dernière menace. Je vais ensuite payer 1, 2, 3. Je vais jouer le torpilleur du ciel. Il rentre en jeu. Je vais faire 2 au bouffon. Finalement, on fait nos premiers dégâts. Après le vacarme de 1004 rencontres. Puis là, écoute, on a seté notre stratégie. 1, 2, 3, 4, 5. Puis après ça, ben là, ça va être juste de la violence pure contre ce petit bouffon. Monica Chang, elle se prend le dégât de 3. Merci, Monica. Je vais aller en alter ego au prochain tour. 4 rencontres. Un petit esclave. Ben, regarde, on va continuer la stratégie. Ça a l'air à marcher. On va utiliser brillant tacticien. On enlève. On va aller chercher une cible prioritaire. Moi, c'est bon. On va payer un. Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu le désorienter? On va même pas le désorienter. De la merde. On va pas le désorienter. On va faire. Ah, j'ai pas le choix. Faut que je le fasse. Non, non, ça marche pas. Okay, je vais juste utiliser mon rayon ricochet pour faire mon rayon optique. Je vais péter l'esclave. Je vais piocher une. Deux cartes. Oh, OK, excellent. Je vais faire. J'ai même pas le goût de le désorienter. C'est triste. Je vais aller me cacher en alter ego. Je vais regen de 3. Je vais remonter à 8. Je vais aller me chercher une amélioration tactique. Il m'en reste une. Yes! Il m'en restait une au moins, c'est quand même bon. Je vais payer 1 et Professeur X pour 2. Je vais jouer Quake. Non. Ouais, je vais chercher ça. Ouais. Ouais, je vais faire Quake qui va faire 2 et 2. Ça va faire 4 de dégâts parce que c'est une carte de shield. On va faire 4 au boss. On va descendre à 12.
Je vais pitcher l'intervention de l'agent. Je vais garder Phoenix, puis je vais évaluer ma situation pour une taille de main à 7. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste une carte. OK, cool. Fait que, on va pouvoir s'amuser. Ça monte de 1, manigance de 2 plus 2, ça fait 4. Ça monte à 5. Carte rencontre. Hystérie. Bon, mais ça, on enlève ça tout de suite. Hein. Ça, c'est une carte qu'il faut, faut pas que ça draine. OK, alors qu'est-ce qu'on joue? Je pense que... je pense que on va jouer éducation des mutants. Ah, maintenant, je vais piger une carte avant. Je vais utiliser Full Blast puis mon investigateur chevronné pour jouer le manoir X qui va me healer de 1. Monsieur Cyclops va remonter à 9. Ensuite, je vais utiliser Éducation des mutants et je vais remettre un cible prioritaire. Ouais, je vais remettre une cible prioritaire puis un brillant tacticien. Je me suis d'autre chose. Non, brillant tacticien là, dans le deck. Puis il me reste 5, 3, 4. Ah, mon! Ma visière! OK, et je vais piocher une carte. OK, parfait. J'en ai pas assez si je joue ça, ça et ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On prendra pas de chance. Ouais. On va flipper en mode héros. On va pitcher deux cartes. Mental. On va enlever son hystérie. On va contrer à 2, à 4. Ça va descendre à 1 avec ces cartes-là ici. Je vais garder ma cible prioritaire puis mon autre. Puis on va laisser ça de même. 2, 3, 4. On va se prendre 2 cartes en compte ce tour-ci. Mais là, on est pas mal à l'adresse. On est à quoi? 11 minutes? Ah, écoute, d'après moi, ben, c'est sûr qu'il reste son gros tour quand on va le flipper, là. On va voir qu'est-ce qui va nous arriver avec ça. On a 5 cartes. Petit rayon ricochet. Bon, ça va monter à 2. Il va attaquer dans notre ami Quack. 4 rencontres, 1 soldat et 1 blindé. Cool. OK. On va payer 2 pour faire un brillant tacticien. Oh, oh non. Non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas de carte. J'ai déjà ma cible prioritaire. Non, ça me... Zut de flûte de flûte de zut. Bon, on va payer 2. On va jouer notre visière avant. On va jouer une cible prioritaire. On va utiliser notre rayon de rubis. Bzit, on va péter le blindé pour 3. On va piger 2 cartes. Excellent. On va rejouer une cible prioritaire ici. On va... Tac-tac. On rejoue-tu une cible prioritaire? C'est peut-être même pas nécessaire. On va... contrer encore à 3. Puis on va ramener une cible prioritaire dans notre main, parce que c'est la seule carte tactique qu'on a. Est-ce qu'on a besoin de tapocher? On va tapocher lui à 1. C'est un peu triste. On va aller se cacher en alter ego. On va se guérir à 1. On va remonter à 10. On va rester tranquille. De toute façon, celle-là, il va s'en aller. Parce que j'ai pas mon autre. 2, 4, 5, 6. Éducation des mutants. Excellent. Il y a 2 gobelins qui montent de 2. Ça monte de 2. 3, 4. Manigance de 1, manigance de 1. Et ma mort du haut, sacrifice. Pour 4. Pour 4. Fait que ça monte à 8.
Puis manigance annexe avec deux de menace dessus. Ça, ça s'en va. OK. On va aller chercher une tac-tac. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Une tactique, amélioration tactique. Bon, on va jouer une défense pratiquée. On va jouer éducation des mutants. On va remettre tactique, brillant tacticien et l'autre. On va mettre ça là. Et en plus, on pioche une carte. Et c'est un professeur X. Puis si on avait besoin en plus des professeurs X. OK. Alors, on va commencer. On va jouer brillant tacticien ici. On va healer personne parce qu'on n'a pas besoin d'healer. On va utiliser notre Ruby. Zapper le bouffon. Pige 1. Pige 2. C'est bon. On va jouer une équipe de surveillance. Papaf! Avec 3. On va faire 2 dégâts à notre petit soldat ici. Fait que lui, c'est mort. Puis ça, c'est supposé d'en avoir 3 dessus. OK. On va en enlever 1, puis 1. On va enlever 3 de manigance ici. On va jouer nos sens de la justice puis le Genex. On va contrer à 3. Ça va descendre à 2. On va ramener une carte tactique. C'est tellement bon avec les sites prioritaires. C'est trop fort. On va payer 3. On va jouer Phoenix qui va nous ramener une carte. On va ramener notre brillant tacticien. Phoenix va attaquer à 2. Péter lui. On va se prendre un dégât. Cyclops va descendre à 9. On va piger 2 cartes. Oh my God, que c'est bon. Cyclops va contrer à 2 la nation des gobelins. Elle a ses pris 1. Je vais évaluer ma situation. Je vais payer 2 pour jouer Moira McTaggart. Pas besoin du professeur. On a le contrôle absolu. Fait que, on est en business. Il reste combien de points de vie? 12. Ok. Je vais devoir avoir ma grosse carte d'attaque là, dans pas long. 2, 4, 5, 6. Parce que j'ai une taille de plus 1. J'ai oublié de le mettre là, mais taille de plus 1. OK. Intervention de l'agence. Fait que ça, on s'en fout. Ça va monter à 3. Il veut attaquer, mais je pense... Ah oh non, je veux pas me défendre, parce que si je me défends, je me redresse pas. Je veux-tu prendre l'attaque? Bon, je vais prendre l'attaque de 2, 3, 4. Il va rajouter une menace. Moi, je vais descendre à 5. Carte rencontre. Un soldat. Cool. Check. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer. Intervention de l'agence. On va enlever 2 de menace en utilisant 1. Torpilleur du ciel, 2 dégâts. Phoenix, 2 dégâts. OK. Je vais utiliser Gen X, brillant tacticien. Je vais enlever 2. Je vais aller chercher. C'est prioritaire. My God, c'est tellement bon. Et là, je vais utiliser 1 plus 1. Je vais épuiser, je vais faire un full blast. Je vais faire 11 de dégâts. Fait qu'il me reste 1 ici. Je vais en faire 10 au boss. Il va tomber à 2. Moi, je vais me prendre un dégât ici à cause du bouffon. Je pioche 1, 2. Je vais mettre un investigateur chevronné ici. Je vais aller me cacher en alter ego. Je vais me healer de 1. Je vais faire l'éducation des mutants. On est en mode kill, là, fait que je vais remettre un full blast. Puis je vais remettre un brillant tacticien dans mon deck parce que juste piger 1000 cartes à tous les tours, c'est juste trop bon. Vu que j'ai l'éducation des mutants, je vais piocher une carte. C'est Bishop, mais je vais payer 3. Je vais jouer Bishop. Il va traîner là jusqu'à temps qu'il fasse un genre de 6 de dégâts. Là. Cool.
6 cartes. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Parfait. On va être capable de le péter, je pense, assez facilement, juste en faisant une intervention de l'agence. OK. Passons, on va voir ce qui se passe. Une de menace. Manigance à 2, plus 1, 3. Fait que ça monte à 4. 4 rencontres. L'avancement, évidemment. Ils ont tout pogné, les avancements. De 3, monte à 7. Une chance que Cyclope s'est contré comme un boss. Hein. On va faire ça tout de suite. On va commencer avec le commencement. Intervention de l'agence. On va pour 4. Paf! Torpilleur. Flip le gobelinot. Il tombe à 20. 3-4 rencontres. 1, 2, 3. Manoir va me guérir de 1. Je vais monter à 6. OK. Oh, j'ai cible prioritaire, si ça ne m'aide pas. Exploiter la faiblesse. C'est pas ça qu'on va faire. OK. On va aller chercher une amélioration. Je pense que je ne l'ai même pas faite encore. 2, 4, 5. 6. Non, je ne l'ai pas faite encore. Mais je vais aller me chercher. On va aller chercher notre exploiter la faiblesse. On va flipper en mode héros. Moray MacTaggert me fait piocher une carte. Ah, rayon ricochet. OK, ben là, c'est. On va jouer notre cible prioritaire pour jouer exploiter faiblesse, mais je pense même pas qu'il survit le tour. Je vais utiliser le gène X, ma visière, et je vais épuiser mon personnage pour faire un full blast qui va faire 4 plus 8 qui va faire 12. Fait que, il tombe à 8 et je vais juste faire un rayon ricochet parce que là il est tard, je vais aller me coucher, je vais faire 4 et 4 à cause de ça. Je fais 4 de dégâts puis un 4 qui a un ennemi engagé avec ça. Et game over, monsieur le bouffon, 20 minutes, c'est à quoi les cartes? Je te vois le monstre et un blindé plus des citrouilles. Fait que la game, on l'avait en masse. Fait que 0-0, Bouffon, il est mort. Justice de Shield, man. Écoute, là, avec Cyclops, puis ah, c'était trop beau. Brillant tacticien, ramène ma carte tactique. J'aurais même, je voulais vous montrer comment aller chercher des plus grosses tailles demain avec les évaluer la situation, puis ça a quand même marché une couple de fois. Mais j'avais toujours un sbire à péter. C'était juste comme, ben, je vais rechercher celui-là, je vais ramener ça, je vais péter le dude, je vais faire 2 cartes de plus. Ah, c'était juste, oh my god, c'était juste de toute beauté. Ah ouais, on est rendu, il nous reste les decks en commandement pour finaliser les vidéos. Ciao, ciao, guys, tantôt. Alors, pour notre deck de commandement, notre premier deck, ça va être à moi, les X-Men. On va évidemment jouer une stratégie où ce qui va mettre en face la tactique à moi, les X-Men. Alors, ça va être une matière première pour aller recycler nos alliés. On a 12 alliés dans notre deck, les meilleurs dans tous les aspects, évidemment. Rockslide qui attaque à 3, Polaris qui nous donne un état tenace, Dazzler qui désoriente, Wolverine qui enlève les tenaces. Blindfold qui permet de manipuler le deck, le Fauve qui nous permet de ramener des cartes, Gentil et Longshot qui nous permet de peut-être péter des sbires si on est chanceux, Forge qui va chercher nos cartes de soutien, Colossus qui est un tenace, Professeur X qui peut nous désorienter l'ennemi pour nous permettre d'aller en alter ego et jouer comme les instructions des X-Men et les éducations de mutants pour recycler nos brillance tactique et pour recycler nos alliés, évidemment, pour être capable de tout que ça clutch en masse. Ensuite de ça, pour avoir plus d'alliés sur la table, Utopia et Triskelion. Travail en cohésion d'équipe, évidemment, on a beaucoup d'alliés. Alors, c'est de l'économie pour Cyclops qui n'en a pas beaucoup dans son deck. Avec le X-Jet, le X, le manoir, ça va nous permettre de piocher aussi quand on va jouer nos cartes d'éducation à zéro. Le Genex nous aide à payer nos brillants tacticiens. Que tout ça ensemble, ça risque de faire un beau mélange. Alors, on va aller voir Ebonima, les Légions de L et la gang de Crossfire. Ça risque d'être un beau combat, ça. OK. Fait qu'on est prêts. On va aller trouver nos deux sortilèges d'invocation. Le premier. Bon, il n'y en aura pas.
C'est pas grave, il s'en rebrasse tout. Ok, manipulation. Ça, c'est celui qui va nous désorienter, je pense. Avec deux compteurs d'invocation ici. De toute façon, on rebrasse tout anyway. Ok. Et ensuite, on en défait un deuxième. Un. Puis ça, ça brasse pas après. Bon, les deux avancements sont partis. Bon, deux fois la manipulation. Bon, là, c'est, on va perdre deux cartes. Bon, c'est pas trop compliqué. On va brasser notre obligation. Il est-tu là? Notre visière perdue. Visière perdue. Visière perdue. Ouais, il est ici. Ok, on est rendu ça ici. On va brasser notre deck. Ok, ça commence comme ça. Alors, attends. Prête en partant. 2, 4, 5, 6. Je pense que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va pitcher 4 cartes. On va aller se trouver des petites cartes de mise en place. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5. Ok, parfait. 5. Génie tactique. Ok, on peut rebrasser des 2. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? 2, 4, 6. On va aller chercher une... On va aller chercher quoi? Une pratique défense. Une pratique à la défense. On va jouer l'instruction des X-Men. On va remettre Rock Slide et Long Shot dans notre deck. Pas besoin. On va infliger ça là-dessus. On va aller se mettre en mode héros. On va jouer à moi, mes X-Men. 1, 2. Ah, on les a pas. J'ai-tu bien brassé ici? Attends, on va brasser comme du monde. Il me semble que c'est bizarre que je prenne les deux premiers que j'ai refaussés. Bon, ben, ok. Ben, ça, c'est, là, c'est le karma. Là. 3, 4, 5. Fait qu'on va mettre Long Shot ici. On rebrasse. On va payer 2 pour jouer brillant tacticien. On va enlever toute la manigance. On se ramène une carte tactique. On va payer 1. On va jouer à moi les X-Men. C'est que c'est mon gars. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais jouer Phoenix. Non, je vais jouer Phoenix. Qui va me ramener une carte. Je vais ramener un exploiter ma faiblesse. Là. Puis je vais payer 1 pour faire mon rayon optique. Je vais en faire 3 dégâts au boss. Ça se rebrasse. 1, 2, 3, 4, 5. Puis j'ai plus de menace. On va attaquer pour 4, 5. Et Bonima va tomber à 10. On finit le tour. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, les deux autres, ils vont revenir à la fin de la phase dans nos mains. Fait qu'on a techniquement une main à 7. C'est quand même formidable. Une manigance, on enlève les deux manipulations. Il veut m'attaquer avec un moyen d'attaque. Fait qu'il attaque à 1. Tain, l'homme du passé, tour 1. 1 plus 2, ça fait 3. On va tomber à 7. Et... Il va-tu nous attaquer une autre fois? On va enlever un de chaque. Ok. Puis là, les manipulations vont chacun trigger. Puis là, ici, là, c'est, on enlève un de chaque. Fait qu'on a fait ici, de chaque environnement. Puis là, les autres, ils vont, les deux vont trigger. Fait que je vais être désorienté deux fois. Je vais perdre deux cartes. Fait qu'aussitôt arrivé, aussitôt perdu. Puis, je vais défausser 1. Je vais défausser 2. Non, c'est pas super. Il va me rester un vulvarin. Ok. Fait que ces autres, c'est défaussé. Puis, si j'ai pas d'environnement dans le jeu, ben là, j'en ai fait deux fois, fait que ça trigger pas comme ça. Fait que là, il y en a qui disent que, ben là, j'ai pu, techniquement, si je lis la phrase mot par mot, c'est que je vais perdre. Je vais aller, tu sais quoi, juste pour rendre ça un petit peu plus difficile, je vais aller m'en mettre un autre. Pacification.
Tiens, on va défausser jusqu'à temps qu'on en trouve un autre. Puis ça, celle-là, il rentre en jeu avec 3. OK, ça c'est réglé, ça c'est fait. Cyclops va contrer pour enlever la manigance. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais jouer tatac-attaque. Rock Slide. Ouais, il attaque à 3, lui. Puis il attaque 3 fois. On va jouer Rock Slide, on va attaquer de 3. Et Bonimo va être à 7. Je vais aller me cacher dans l'alter ego. Je vais pas aller. Oui, je vais aller en chercher un. Okay, je vais juste pitcher pour sortir de mon deck. Je vais regarder la cible prioritaire. Ah ben j'en ai un. Fait que exploiter faiblesse. Puis je vais juste le sortir de mon deck. Pour le défausser. OK. 2, 4 et 6. Fait qu'on a Utopia, on a Colossus. Fait que ça va monter à 2. Bonima va manigancer de 3. Ça va monter à 5. Ici, il va perdre 1 sur la pacification. Carte rencontre. Un garde révélé. On prend un dégât. On va prendre un dégât. On descend à 6. Lui, c'est un garde. Oh, lui, il a pris un autre 2 ici. Paf, on va péter le garde. Ici, c'est bon. Cyclops à 6, on va regen. On va se mettre à 9. On va payer 2. Jouer Utopia. On va flipper en mode héros. On va faire 1, 2, 3. On va jouer Colossus. Avec un état tenace. On va se redresser. On va contrer à 2. Descendre ça à 3. Colossus, perdre son tenace. Taper à 3. Et Bonima est à 4. Joyeux Noël. 1, 2, 3, 4. Hey! On a un à moi mes X-Men. Cool. Ça va monter à 4. Rock Slide va prendre la baffe. Ça, ça va descendre à 1. Pour 4. Merci Rock Slide. T'as fait ta job. Carte rencontre. Boule de feu. Renfort dans un assaut. Pacification. Je suis sonné, épuisé, chaque amélioration que tu contrôles, j'en ai pas. Il va m'attaquer de 2, je vais juste prendre l'attaque. Plus 3, ça fait 5. Ouh, moi aussi je tombe à 4. Ouch. Et la boule de feu, elle descend de 1. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va peut-être aller regen, on va attaquer à 3. Et Bonima va tomber à 1. Comment je fais ça pour que ça fonctionne? Je veux jouer à moi les X-Men. Je pense que qu'est-ce que je vais faire? Je vais le jouer. Je vais jouer le Triskelion pour à moi mes X-Men. Je vais regarder 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais rentrer Forge en jeu qui va aller me chercher. T'as un X-Jet. Cool. Ah oui, j'aurais dû contrer avant. Je vais contrer avant. Forge, il rentre en jeu. Trigger Utopia, je me redresse. Je vais. Contrer à 1. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais garder le faux, je pense. Je vais aller me cacher en alter ego. Je vais me healer de 3 parce que 4 va descendre à 7. Lui, c'est pris 1. Je vais aller me chercher une amélioration. Il m'en reste 5-1. Il m'en reste plus gros, là. Est-ce qu'on va le désorienter? Ça vaut pas vraiment la peine de le désorienter. Je pense qu'on va tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1, 2, 3. Bon, je vais garder le professeur pour le prochain tour. Je vais garder. J'ai-tu vu mes ressources doubles? C'est ça la question. Une ressource double. Deux ressources doubles. Ben, il me reste encore une ressource double. Ben, je pense que je vais garder le fauve. Puis je vais faire 1, 2, 3. Je vais jouer le X-Jet. Je vais untap. 2, 4
6, parfait. Et Forge revient dans mes mains. Ça monte à 2, une boule de feu. Plus 3, ça monte à 5. J'ai quand même été chanceux là, que ça n'a pas popé, là. Un prix par surprise. Bon, ben, je veux-tu Utopia? Ouais, ben, je vais pitcher Utopia parce que je peux aller la rechercher dans 2 secondes. Ok. Je vais me regen. Je vais monter à 10. Je vais flipper en mode héros. Je vais payer 4. Je vais jouer le fauve. Avec mon chef, mon X-Jet, tout ça. Il va me ramener ma ressource double dans mes mains. Je vais payer 2 pour un travail en cohésion d'équipe. Travail en cohésion d'équipe plus Dazzler pour jouer Forge qui va aller rechercher mon Utopia. On va rebrasser. Tata 4. On va contrer à 3. Ça va descendre à 2. Il se prend 1. Il se prend 1. Mon petit muscle en titane va exploser lui et on va défausser jusqu'à temps de trouver un autre. À 3. Et là, il passe à 23 points de vie. Là, ma passe à 23 points de vie. 23. Ok, est-ce que je vais me cacher en alter ego? Non, je viens de revenir en mode héros. Ça, c'est bon. J'ai un bloqueur ici. Je vais me prendre un petit 4 de dégâts. Ça, c'est bon. 1, 2. Ah, pas besoin de ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça va passer à 3. On enlève un. On enlève un. Forge pour 4. Paf. Carte rencontre. Boule de feu. Y en a-t-il des boules de feu? Renfort dans abjuration. Il ne peut pas se prendre plus que 2 dégâts. Bon. Pas se prendre des dégâts d'une attaque. Ok. Est-ce qu'il me reste des X-Men? Travail en cohésion d'équipe plus le X-Jet va jouer Utopia. Je vais payer parce que c'est le trait X-Men, donc je peux le jouer. Je vais contrer à 2. Je vais jouer 1-2. Je vais faire un brillant tacticien. Je vais redresser mon personnage et je vais ramener un à moi mes X-Men dans mes mains. Ok, j'ai 12 alliés dans mon deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça sert à rien de faire un à moi mes X-Men. J'ai plus de manigance. Je vais aller flipper en mode héros. Je vais jouer éducation des mutants. Je vais brasser. Je vais rebrasser 2 cartes spécifiques à mon héros. Fait que je vais mettre ma visière. Puis je vais mettre une petite cible prioritaire. D'un coup qu'on aurait un sbire qui se montrerait la face. J'ai pas l'autre. Je vais garder à moi les X-Men. Parce que je vais avoir passé à travers mon deck. Le fauve va attaquer à 2. Il va prévenir le dégât. Réponse forcée. C'est bon. On va se prendre un paquet de dégâts ici. Mais c'est pas grave. 1. Ok, fait que 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 4 rencontres supplémentaires. T'es habitué de jouer des 4 rencontres supplémentaires. Mais il y a assez sur la table que s'il active 3 fois, on est mort. 4 fois, ouais, c'est ça. Ça me surprendrait, là, mais on ne sait jamais. Fait que 1 ici, il manigance de 3 plus 1. Discarde des cartes jusqu'à temps que tu défausses un allié. Fait qu'il manigance à 4, donc ça monte à 5. Avant, on se prend 4.
On tombe à 6. Puis là, il faut défausser jusqu'à temps de pogner un allié. Ça devrait pas être trop long, hein? Blindfold. Carte 1. Ma visière perdue. Ben, évidemment, je l'avais dans les mains. On perd une carte. Et. Ok, place une menace sur chaque. Sur la principale pour chaque environnement. Ok, fait que là, je vais aller placer 2. Donc, ça ici, ça va péter. L'attaque sur nulle part. Donc, après ça, c'est quoi que ça dit? Ok, rebrasse le deck rencontre. Chaque joueur défausse jusqu'à temps qu'il il se reprenne un sortilège. Fait que là, on rebrasse tout ça. Ça monte à 1. Ben, je pense pas qu'il va se taper assez longtemps. On finit de brasser. Et là, on défausse jusqu'à temps de pogner. Ah, ben, la première carte. Pacification. Ici. Ok, fait que ça, c'est fini. Ok, fait que là, on a deux fois à moi les X-Men. C'est quand même Noël. Visière perdue. Je peux pas attaquer, c'est vrai, je peux pas attaquer. Fait que je vais épuiser mon perso. Que j'épuise mon perso pour enlever, j'ai-tu vraiment besoin d'attaquer? Non, j'ai pas vraiment besoin d'attaquer. Donc, je vais me healer de 3 pour monter à 9. Je vais filer par mode héros. Je vais utiliser le X-Jet pour jouer à moi mes X-Men. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais jouer Rock Slide. Je vais rebrasser le deck rencontre. Utopia, trigger, je me redresse. Je vais 1 avec une cible prioritaire pour jouer un manoir. Paf, 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 paf. Le fauve va faire 2 dégâts à Ebonima. Lui va faire 3 dégâts à Ebonima. Ok, fait que ça c'est 5. Il tombe à 18. Je vais jouer à moi mes X-Men. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, est-ce que mais Wolverine ou Phoenix? Ah non, on va jouer Phoenix. Qui va me ramener un brillant tacticien. Il va me ramener un brillant tacticien. Que je vais pouvoir rejouer au prochain tour. Je peux pas attaquer. Fait que je vais contrer ici. Elle va attaquer pour 2. Fait que moi, il descend à 16. Puis je vais laisser ça comme ça. Je vais refaire ma main. 2, 4, 5. Ces deux-là, ils reviennent chez moi dans mes mains. À la fin de la phase, c'est quand même bon. Prochain tour, une de manigance. On fait 2 dégâts à tous les ennemis. Fait que je me prends 2. Je tombe à 7. Il veut m'attaquer, je vais me défendre. Oups. Il m'attaque pour 5. Fait que je me prends 3. Je tombe à 4. Je me prends une carte renfort dans. Place une menace. Oh non! Prends un dégât pour chaque environnement. Tantôt, j'étais sur un alter ego, j'étais en héros. Oh, je l'ai peut-être mal lu. En tout cas, sinon, je serais encore. C'est pas grave. Je me souviens pas si j'étais en alter ego ou en héros. J'aurais pris des dégâts. J'aurais-tu été mort? Ben, je suis sûr. Ok, mais là, anyway, là, je suis en héros, fait que je me prends 2 dégâts. Je tombe à 2. Boum! Ouais, danger, 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 danger. Ok. Bon. Travail en cohésion d'équipe. X-Jet. Et le Gène X va jouer Phoenix, qui va trigger Utopia, me redresser, me ramener une. Pas une cible prioritaire. Bon, il va me ramener un. Exploiter faiblesse. S'en fout. On va jouer.
Qu'est-ce qu'on joue, mon Steve? On va payer un. 1, 2, non, 1, 2, 3. On paye du 4? On garde gentil pour le prochain tour? Non. On va payer 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. On va jouer Rock Slide, qui lui va rester en jeu. Elle va taper à 2, lui va taper à 3. Fait que c'est un autre 5 de moins. Le mât descend à 11. Moi, je vais aller me cacher en alter ego. Regen de 4. Fait que je vais monter à 6. Fait que 3 plus le manoir. Instruction des X-Men. Il y en a-dessus? Ouais, je vais remettre gentil dans le pot. Puis je vais remettre le fauve dans le pot. OK. Comme ça. On se redresse et ça devrait être fini au prochain tour. 2, 4, 5, 6. Parfait, ça monte à 2. On enlève. Il manigance de 3 plus 1, ça fait 4. Ça monte à 6 sur 9. Carte rencontre. Ah oui, attends. Non, Phoenix est rentré. J'ai pas joué à moi mes X-Men, hein, avec ceux-là. Non, je les ai rentrés en jeu... OK. Ensuite, carte rencontre. Plan machiavélique. On va trouver une manigance annexe. Il y en a-tu? Je suis sûr qu'il y en a une couple. Bon, la gang de Crossfire ici. On met deux de menaces pour chaque. Il n'y en a pas. Fait que ça va monter à 2 avec un renfort. Dans un autre renfort. Dans un guerrier. Fait que là, je dépose des cartes jusqu'à temps de trouver un allié. Hey, c'est le professeur X. Oups. Et ici. C'est notre tour. On va aller chercher une amélioration. Je suis désolé, professeur. Oh non. Bon, j'ai juste un exploité faiblesse. C'est triste. Je vais me guérir de 1. Ouais. Je vais monter à 7. OK. Je vais jouer Éducation des mutants. Je vais remettre 2 cartes. Ah oui. Fait que là, j'ai vraiment pas été bon, là. Mais qu'est-ce que j'ai arrêté? Ah, c'est ça, j'avais lui. Attends, avant de faire son addition, Éducation des mutants, je vais mettre une cible prioritaire. Puis un brillant tacticien dans mon deck. Ça, après ça, je vais piocher. Puis après ça, je vais aller chercher Steve, qui était pas bon à ce jeu-là. OK, fait que là, je pioche une carte. Là, je vais aller chercher pour une cible prioritaire, parce que je viens d'en pitcher une dans mon deck. Je vais l'afficher ici sur le professeur. Rock Slide va faire 3 dégâts. Il va se prendre 2. Merci, professeur. Ça s'en va. Pige 1. Pige 2. Excellent. Je vais... Lui est utilisé. Je vais... Ben oui, je vais regen. Je vais m'en remettre à 10. On ne gênera pas là-dessus. On va flipper en mode héros. On va payer 1, 2. Plus 2. On va aller chercher le fauve, Trigger Utopia, qui nous permet de nous redresser, et d'aller chercher une ressource double. Et quand on va la prendre, notre ressource double, on va brasser notre deck. On va contrer à 2 ici. On va jouer à moi mes X-Men. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre Polaris, qui va me donner un état tenace parce que je suis un X-Men. Fait que ça, je me le prendrai pas dans la gueule. C'est fort, man. C'est fort, ce deck-là. C'est fort. Ensuite, elle va attaquer à 2, à 4, à 6.
Et Bonima, il va descendre à 5. Fait que 2, 2 puis 2, fait que 2, 2, lui a été joué, elle a été jouée, elle va m'en revenir dans les mains si elle est encore là. Elle a s'est pris 1. Je vais jouer un brillant tacticien. Je vais enlever 3. Je vais ramener un à moi mes X-Men, c'est fort. Je vais payer 1, je vais jouer à moi mes X-Men. 1, 2, 3, come on. Oh my god, j'ai fail. Ok, ça c'est triste. Il me restait combien? 1, 2, 3, 4. Ah, il m'en restait 4 à lui sur 10. Là. Fait qu'il soit tout pogné ensemble. Triste, triste, triste. C'est pas grave. Je vais payer 2. Pour jouer Forge. Puis je vais perdre Rock Slide. Puis je vais attaquer pour 1. Et Bonima est à 4. On va le péter au prochain tour. Elle me revient des mains. Lui, il s'est pris 1. Fait que 2, 4, 5 cartes. Ben, regarde. Là, c'est sûr que je me prends un Wolverine ou quelqu'un. Là. Hey, ça, ça va monter à 4. Je vais tout. J'ai toutes des cartes de soutien, fait que j'ai aucune amélioration. Je suis sonné. Ouais, ça. Toutes mes améliorations sont pétées. Je suis sonné, mais je m'en fous. Il veut m'attaquer dans Forge. Il s'en va. Et carte rencontre. Je vais mettre 5 sur la menace ici. Ah oui! On va payer 2, jouer un brillant tacticien, on va enlever 3 ici, on va ramener à moi mes X-Men, tchaka tchaka tchak, on va utiliser le X-Jet, à moi les X-Men, allez Wolverine, allez là tu niaises là, ok, j'étais là, hey, il m'en reste 3, mes 3 gros alliés sont les 3 dernières cartes là, oh my god, ça c'est triste, mais c'est pas grave, là. On le pète là, c'est fini. On travaille en cohésion d'équipe, Triskelion et Rayon Ricochet. Je vais. Ah oui, je vais jouer avec Gentil. Gentil va attaquer à 3. Tombe à 1. Il se prend 2 dégâts de conséquence. Je vais rentrer Polaris qui va redresser Gentil et lui donner un état de tenace. Cyclops va contrer à 2. On va faire un petit clean-up. Mes 2 alliés vont contrer à 2. Il ne reste plus de manigance. Gentil et Polaris vont péter le boss. Alors ça, c'était la stratégie à moi les X-Men. Fait que tu vois, même avec 12 alliés dans mon deck, j'ai encore réussi à whiffer. Là. Fait que des fois, là, peut-être 13 alliés, là, j'ai hâte de voir. Écoute, ils viennent d'annoncer la nouvelle boîte de X-Force, là, la prochaine évolution. Fait que ça va être vraiment cool. Puis ça, c'est sur la boîte avec laquelle que j'ai travaillé dessus. Fait qu'attendez-vous à avoir des belles surprises dans cette boîte. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que ça, c'était à moi les X-Men, c'était la stratégie. Vous l'avez vu en vidéo, même avec un scénario un petit peu colosse, là, comme Mâchoire d'Ébène avec la bande de Crossfire qui punit avoir des alliés sur la table. C'était quand même une petite promenade là, dans le parc. Là. C'est venu proche une couple de fois, mais on a suggéré. Bon, les guys, on reste. Il nous en reste un avec la frappe furtive. Hey, c'est la gang pour notre dernière partie. On va faire un petit lol. Fait que je vais faire la partie que j'ai parlé dans la vidéo où ce que je vais juste jouer tous les alliés X-Men disponibles à part 2. Je mettrai pas le fauve ni forge. Pourquoi? Parce que j'ai seulement l'utopia qui est là et j'ai pas de ressources doubles. Fait que le fauve, ça sert absolument à rien de les jouer. Fait que c'est ça. Fait qu'on va jouer tous les alliés X-Men qui sont disponibles là, en ce moment à part ces deux-là. Puis on va voir ce que ça va donner. Bon, ben, bonne vidéo! Ok, fait qu'on est prête. On va commencer par défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à temps de trouver un sbire. Ah, parfait. Sous le feu. Ah, ça va falloir que je le rebrasse. Puis lui, c'est un petit sentinelle qui a 5 points de vie. Ma visière
perdu, je vais le rebrasser. Mais écoute, un avancement, un assaut, puis sous le feu de moins, écoute, on ne se le cachera pas. C'est une belle défausse. C'est trois belles cartes qui ne sont plus dans les parages. Regardons ce qu'on a comme carte. Un, oh, deux, un petit utopia en partant. Oh, Polaris, ça donnait un état tenace. Deux, quatre. Puis une cible prioritaire. Oh, ça peut être intéressant, ça. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoute, 2, je joue Utopia. OK, fait que je pense que j'ai pas le choix. Faudrait que... OK, je vais commencer. Je vais aller me chercher une carte. Je vais mettre le plus... la défense ici. Donc, elle coûte 0 à jouer. Puis je vais l'attacher à ce sbire-là. Ah non, je ne veux pas jouer lui. Je vais attacher la cible prioritaire, c'est ça. Je vais ensuite payer 3 pour jouer... aller en mode héros. Je vais payer 3 pour jouer Polaris qui va me donner à moi un état tenace. Je vais utiliser mon rayon optique pour faire 3 dégâts et Polaris pour taper à 2, ce qui fait 5. Péter le sbire, piocher 1, 2, jouer Utopia. Je vais donc je vais enlever le tenace, puis on va laisser ça de même. 1, 2, oh, Wolverine, 2, 4 et 1, 5. Bon, il y aurait Bishop qui est quand même assez intéressant comme allié. Là. Ça va monter à 2. Le moon initial va m'attaquer pour 3, 4, 5. Je vais perdre mon état tenace. Gentil. Carte rencontre. Ça va gagner renfort parce qu'il n'y a pas de sbire. Ça va gagner renfort parce qu'il n'y a pas de sbire. Un sentinelle qui est révélé. Si gagne renfort, sinon cherche pour opération zéro tolérance. OK, zéro tolérance, c'est à 3 de manigance. Oh, ça, c'est rien. Ça s'enlève comme un pet. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, on va contrer à 2 sur opération zéro tolérance. Polaris va taper à 2 dans le sentinelle marque 2. On va ensuite payer 4 pour jouer Wolverine, qui va me redresser. On va... contrer à 2, opération zéro tolérance. Et Wolverine va attaquer de 3 le moule initial. Le mettre à 11. Puis ça, c'est quand même bon. On va rester ça de même. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Ça va monter à 3. Polaris va prendre la baffe. OK, si le ciblé pour l'élimination était attaché à ton identité, tu te la... fait que c'est rien, ça se passe pas. Polaris a été déjoué. Ensuite, carte rencontre. Virus programme qui met 4 de manigance ici. Parfait. Et qui va 2 plus 2. Une fois déjoué, ça fait 2 dommages à chaque ennemi sentinelle. OK. Flacada. Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu chercher Phoenix pour aller chercher... bon, c'est le prioritaire, ça ne nous aide pas. Wolverine, c'est guéri de 1. Bon, je pourrais payer... Attends, je vais... Quand je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais contrer à 2 ici. Je vais payer 1, 2, 3. Je vais jouer le professeur qui va... qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire que j'utilise pas Utopia. Non. Je vais utiliser Wolverine... Non, c'est pas bon ça. Non, c'est pas professeur. Je veux jouer de base. Ça va être. Je vais jouer Phoenix. Ouais, je pense que j'aime mieux jouer Phoenix. Qui va me ramener. Ouais, une cible prioritaire dans mes mains, je pense. Ouais, je pense que c'est mieux de même.
Ouais, on va ramener Cypriétal dans nos mains, qui va redresser Cyclops. Wolverine va faire ce qu'il fait de mieux. Il va attaquer pour 3. Dans le moule initial, qui va le descendre à 8. Phoenix, va contrer à 2 le principal. Et moi, va contrer à 2 ici, qui va faire... ça s'en va à tout jamais. On fait 2 dommages au moule initial, il tombe à 6. OK. Je pense que je vais aller en alter ego. Je vais pas chercher d'autres cartes. 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'ai 2 cibles prioritaires. Ça va monter à 2. Il va manigancer pour 2, mais après ça, il va aller se trouver un sbire. Ah ben oui, ça prend celui qui a 3 et qui va mettre l'attachement le plus élevé, c'est celui-là. Il va manigancer à 3. Fait que ça va flip. On va aller défausser jusqu'à temps de... On rebrasse le deck. Rencontre. Et on va défausser jusqu'à temps de trouver un autre sbire sentinelle. Et là, c'est là que tu veux Karma. Là, c'est là que je veux Mademoiselle Karma, là. C'est ça que ça me prend, là. OK. Et là, on va se trouver un autre sbire. Hey, pas d'ombre du passé, c'est Noël. Pas l'autre à 3, s'il vous plaît. Ah, ben oui. C'est l'autre à 3 qui va aller se rajouter le plus 1 d'attaque et qui va sonner. Ce qui va manigancer à 3, qui va amener ça à 4. Carte rencontre, ce n'est pas un beau tour. Et là, j'ai perdu ma visière. Je l'ai tué? Je ne l'ai pas. Fait qu'on va aller le trouver. Ah, et là, Karma. Oh my god, oh my god, oh my god. Fait que 5, ça c'est 8. Fait que là, lui, il se prendrait un état de tenace. OK. J'aimerais ça avoir Karma. Bon, mais je vais épuiser Scott. Je vais prendre ma visière dans mes mains. Et puis, c'est ça, je vais la remettre dans mes mains. Ça s'en va. Fait que ça, c'est cool. 2, 4, 6, 7. Je vais aller chercher une amélioration s'il m'en reste. Fait que j'en ai une ici. Exploiter faiblesse. OK. Comment je joue ça? Qu'est-ce que je joue? C'est ça la question, là. OK. J'ai pas karma. Je vais mettre une cible prioritaire sur notre ami Tenace. OK. Je vais payer 1, 2 pour jouer ma visière. Wolverine s'est guéri de 1. Fait que lui, il n'y a personne. Fait que là, je peux payer 1. Je vais faire 3 dégâts, 6, 8 de dégâts. Puis là, c'est ça qu'il y a 8 de dégâts? Bon, OK. Fait que là, je vais faire. Lui va partir, lui va partir, lui va partir. Wolverine attaque à 3, 6, 7, 8. On pète lui. Ici, je pige 1. Karma! Oui! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Je vais garder ma cible prioritaire. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ah, la chance! La chance! 4, je vais prendre celui-là. Mais lui, il est solide, fait qu'il... Je vais quand même attaquer pour 4. Il va se prendre 2 dégâts. Fait que le moule initial, il tombe à 2. Ah oui, puis vu que j'ai joué un X-Men, je me redresse et je vais contrer à 2 ici. Oh my God, que c'était magique! 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, ben, j'ai un autre allié, fait que c'est ça qui est bon. Fait que ça va monter à 3. Il va attaquer dans Phoenix pour 3, 4, 5. Merci, Phoenix. T'as fait ta job. 4 rencontres. Une fois révélé, sinon, je vais aller rechercher Opération Zéro Tolérance. Puis, je sais pas où ce qui est rendu. Fait qu'on va aller le trouver, le petit zéro tolérance. Zéro tolérance. Ici.
Puis celle-là, il est à 3. On va mettre, tiens, on va payer 0. On va mettre ça ici. Ça, ça va s'en aller. On va jouer notre visière pour exploser lui. On va piocher 1, 2 cartes. Parfait. Fait que ça, c'est réglé. Fait que lui, c'est fait. Je vais payer 1, 2. Donc, je vais garder Colossus. Je vais payer 2 pour jouer Brillant Tacticien. Fait que je vais enlever ça pour 3 de menace. Je vais me ramener une carte tactique. Est-ce que c'est exploiter la faiblesse? Ouais, je vais peut-être. Non, mais de toute façon, je ne les garde pas parce que je vais les dépenser pour jouer Colossus. Fait que je vais contrer à 2 ici. Je vais payer 1, 2, 3. Je vais jouer Colossus avec son échec tenache. Je vais redresser mon perso. Le moule initial, il reste 2 points de vie. Fait que je pense qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer avec Colossus. Je vais péter le moule initial. Il va flipper. Je vais attaquer pour enlever son tenace. Et ensuite, je vais attaquer pour 4. Fait qu'il va tomber à 12. Fait que lui est parti. Moi, j'ai attaqué. C'est bon. J'ai mon karma. J'ai lui qui reste encore 2 attaques de 4. 1, 2, 3. Ah, 4. Donne-moi un. Non, c'est ça qui arrive avec mon... Bon, j'aurais dû me garder une de mes tactiques. Puis là, j'aurais pu finir la game, là. Mais c'est pas grave. Fait que ça va monter à 2. Moi, j'étais encore à 10 points de vie. Je vais juste me prendre la claque de 4, 5, 6. Je vais tomber à 4. De toute façon, ça ne dérange pas pantoute. Carte rencontre. Barrière énergite. Ça va avoir renfort parce qu'il n'y a pas de sbire. Dans un seligier. Et là, je vais mettre Colossus devant. Parce que là, je pense pas que je peux me prendre une autre attaque de 4. Mettons, c'est un boost à 3. 6, 2, 4. Moi, j'ai arrêté mort. Parfait. Une chance que j'ai mis Colossus devant. OK. Bon, qu'est-ce qu'on fait, mon boostive? Tchac-a-tchac. Est-ce qu'il me reste des cartes de soutien? Fait que je pense qu'est-ce que je vais faire? Je vais contrer à 2, ici. Je vais payer... 1, 2, 3. Je vais jouer Diablo qui va attaquer à 2 et lui qui va aussi attaquer à 4. Ça veut dire qu'on va faire un 6 de dégâts supplémentaires. Fait qu'il tombe à 6 points de vie. Je redresse mon personnage. Je vais attaquer pour 1. Il va tomber à 5. 5, c'est proche. C'est proche de la mort. Fait que au moins j'ai 1, 2, 3, ah, parfait, 4, 5, là je me prends 2, 4 rencontres, ça se peut que ça dégénère, mais on va voir, 13 minutes, écoute, ça va quand même assez vite, la petite deck avec juste les alliés, ben, karma drette au bon moment, man. C'était du n'importe quoi ce tour-là, fait que ça c'est fait, mon deck est brassé, on met une de menace, il va attaquer. Ah oui, j'ai un rayon ricochet. Fait que je me prends l'attaque de 4, 5. Je vais utiliser mon rayon ricochet pour bouncer Diablo dans mes mains et prendre aucun dégât. 4 rencontres, ça le renfort dans les robots. Puis ça monte à 3. Puis ça dit... Ah, les joueurs qui sont engagés avec des sentinelles ne peuvent pas contrer. Et un autre qui dit « Va chercher opération zéro tolérance. » Encore une fois, ils sont-ils fatigués avec cette zéro tolérance-là? Ça fait comme quoi, 5 fois je l'enlève? Moi, j'en ai de la tolérance. Tolérance 1000. OK, fait que lui, j'ai un garde. Lui, il a juste 2 points de vie. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas compliqué. Je suis épuisé, ça c'est triste. Ah, ben, attends, ben c'est fini. Je vais payer... Oh non, attends, faut que je paye 2 pour jouer elle. Non, je pourrais pas le faire. Non! OK.
je vais payer mon rayon, mon full puissance pour jouer exploiter la faiblesse pour pouvoir Ruby Quartz zapper le sentinelle. Je pourrais pas le tuer. Ah, attends. Il y a 5 points de vie. Ah oh non, c'est encore, je peux pas encore pas le tuer. Non! Je vais payer 2 pour jouer Karma qui me redresse. Pas Karma, Armure qui me redresse. Je vais attaquer pour 4. Il tombe à 1. Ah ouais, je le tue. Va garder son tenace. Puis on va l'attaquer pour 1 avec Cyclops. Et on a pété le moule initial. Bang! En 15 minutes? Ah, c'est ça, 16 minutes. C'est quand même pas pire. C'était pas une grosse partie difficile. Mais c'était le fun. C'était le moule initial. Écoute la partie. Hey! Le tour avec les deux grosses bières, un après l'autre. Ouch! Ça, écoute, ça, c'était de toute beauté. C'était vraiment de toute beauté. Avoir été un petit peu plus cool, j'aurais gardé celui qui avait le tenace, mais je pouvais pas prendre la chance. C'est ça le problème. Je pouvais pas prendre la chance de pas avoir Karma. Puis si je l'aurais pas eu, mais je pense que j'aurais été complètement... J'étais mort, là. Mais le fait de piger Karma au bon moment, bang, être capable d'aller avoir ma visière, l'obligation, c'était une tornade parfaite. Comment ils disent, une perfect storm, qu'ils appellent ça en anglais. Fait que j'espère que vous avez apprécié, guys, les vidéos sur le blitz tactique de Cyclops. C'est, je pense, aussi même que j'ai appelé la vidéo, là. Le blitz tactique. Fait que ça, c'était un petit vidéo bonus avec juste des alliés. Puis les deux, le Triskelion, puis le, comment ça s'appelle, le Lutopia, là. Fait que juste pour me faire un petit plaisir et vous montrer ça ressemble à quoi un deck avec juste des alliés. C'est pas si bon que ça, finalement. Bon ben, guys, les commentaires, toujours appréciés. Merci encore d'avoir regardé la série et restez des nôtres pour encore plus de contenu de Marvel Champions. Alors sur ça, je vous dis, amusez-vous et tout simplement, jouez le jeu. Ciao, guys! Et ça se termine ainsi. Ben, guys, je vous remercie énormément d'avoir assisté à cette présentation spéciale de Cyclops Blitz Tactique. Laissez-moi savoir dans les commentaires lequel était votre deck préféré, lequel était votre partie que vous avez trouvé la plus intéressante, quel deck que vous allez vouloir essayer ou que vous allez pouvoir comme « Ah, oh, je vais modifier ça un peu, puis je vais essayer ça, puis ça. » Et c'est toujours dans le but de le pourquoi que je fais ces vidéos. C'est dans le but d'inspirer et de vous donner des idées de création de deck. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est ça que j'essaie d'encourager le plus dans ce jeu. C'est vraiment les gens de se trouver une façon de juste rendre le jeu à eux-mêmes, tu sais. Alors sur ça, guys, merci encore. J'attends vos commentaires, j'attends vos critiques, vos éloges. Si j'ai fait des erreurs, laissez-moi le savoir. C'est sûr que ça se peut que j'en ai fait. Je me souviens, il y a des games que j'ai joué, il était tard le soir. Fait que si j'ai fait des erreurs, c'est pas grave. Écoute, ça arrive. Mais au moins, ce que vous avez vu, c'était les decks, dans l'efficacité des decks, puis de vraiment la technique de comment jouer ces différents decks avec Cyclops. Puis j'espère que ça va vous ouvrir les yeux à, c'est ça, les nombreuses stratégies qui sont possibles et qui vont se développer au fur et à mesure que les autres cartes tactiques vont sortir avec les prochains scénarios et les prochains héros. Fait qu'on va se croiser les doigts qu'il va en avoir plus. Écoute, c'est sûr que c'est un trait qui en a quand même déjà pas mal. D'après moi, on va en avoir plus en commandement. Mais on sait jamais. On sait jamais qu'est-ce qui va sortir. Alors sur ce, guys, merci encore. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous souhaite de vous amuser amplement et dans ce long congé de Pâques, je vous dis de simplement vous amuser et de jouer le jeu. Ciao, ciao la gang. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.